What's up les gens, j'espère que vous allez bien. On est sur Mensonges et Trahisons, un des derniers du coup de l'année, puisque du coup on arrive en cette fin d'année. On est avec Zary, on est avec Max, on est avec Jiraiya, nous sommes avec Zoulux. L'émission perdurera l'année prochaine dans la nouvelle prog. On va jouer à Room 25. All in. Donc Room 25, on a déjà fait ce jeu. C'était un jeu qui vous avait beaucoup plu et qui nous avait beaucoup plu aussi. On n'a jamais été assassiné par mon ami Gige dès le début de la game. C'était un plaisir en tout cas. Voilà. Caméra mortala. C'était sympa. Ah enfin, oui, c'est pas en français là. Et je vais vous rappeler brièvement les règles. Oui. Globalement, ça ressemble un peu au film Cube. En gros, on est des petits survivants. On démarre tous dans la salle centrale. Et notre but étant de nous échapper. Et pour nous échapper, eh bien, il faudra du coup trouver la sortie. Parce que la sortie est dans une des cases ici. Seule chose qu'on sait, c'est que la sortie est dans... Attends, est-ce que tu peux me filer un truc de règle? Ah. Pas grave, t'inquiète. Le seul truc qu'on sait, c'est que la sortie est dans l'une des cases... Alors, je vous montre vite fait le pattern. Alors, ouais, on a un petit souci. Dis-moi. Ben moi, j'ai les règles... Ouais, c'est pas grave, en hébreu, mais ouais, mais moi c'est pareil, donc je vais prendre un truc qui est au moins en anglais. Quoi. Ah, c'est pas en. D'accord, ok. Ouais, moi, lui, il est en allemand, en espagnol. Moi, c'est en allemand et en portugais. Est-ce que tu peux zoomer ici? Excuse-moi, j'avais pas vu qu'il y avait des angles. En gros, on sait juste que la sortie est dans l'une des cases vertes ici. Donc en gros, elle est dans les angles, d'accord? Ok. Là et là. Il en existe une seule qui est dissimulée. Il n'y a qu'une seule sortie, c'est la Room 25. Et le but du jeu étant que tous les gentils se trouvent dans la Room 25. Et en gros, fasse sortir la salle. On va voir que du coup, chacun d'entre nous a 4 actions. Les actions qui sont possibles, c'est 1. Regarder. Donc on peut regarder une case adjacente. Donc à notre personnage. Imaginons, moi je suis le violet. Je peux regarder une case adjacente à la case violet. Donc en gros, là, là, là ou là. Je peux marcher dans la case adjacente. Donc imaginons, je suis le violet, je peux aller tout simplement dans cette case. Sauf que si je ne sais pas ce que c'est, ça peut être compliqué. Ouais. Parce que vous verrez qu'il y a des cases qui sont très très mortelles. Genre bien mortelles. Je peux aussi pousser un joueur dans une case, à savoir que la seule endroit où on peut pousser, c'est la case du centre. Pas le droit de pousser dans la case du centre, parce que sinon, dès le début de la game, ça partirait un peu en couille. Donc on peut pousser un mec. Imaginons, on est ici tous les deux, et je le pousse. Bah, je le pousse ici, je le pousse ici. Il faut être sur la même case pour pousser. Hein. Exact, il faut être sur la même case pour pousser. Et bah, si je le pousse dans une case mortelle, eh bien, il est mort en fait. Hein. Donc, ah, je pense que ça peut aller très bien. Exactement. C'est ce qui s'est passé mort, avec mon ami Jiraï. Eh bah, quand t'es mort, t'es mort. Quand t'es mort, tu peux jouer à Smash quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Donc quand t'es mort, en gros, tu dévoiles pas ton rôle. Parce qu'on va voir que du coup, entre nous, il y aura deux gentils et deux méchants. Donc, enfin non, il y aura trois gentils, deux méchants. Mais techniquement, il peut y avoir aussi qu'un seul méchant, parce que en gros, ça peut jouer jusqu'à 6 et à 5. En gros, il y a un rôle qu'on sait pas. En gros, il y a 4 rôles gentils, rôle caché, deux rôles méchants. Les voici. Tac. Et on va les distribuer. Donc, il y aura un rôle caché. Il y aura peut-être un gentil qui sera écarté ou un méchant qui sera écarté. On a vu que globalement dans le jeu, quand même, quand il y a deux méchants, c'est quand même difficile, ouais, sachant qu'on est trois gentils. Donc, je pense que l'idéal du jeu, c'est peut-être plus jouer à 6, mais on est 5, donc ça va très bien le faire quand même. Il y a ce truc là. Ça permet en gros de décaler une colonne. En gros, je m'explique, vous mettez une petite flèche ici, la flèche est pour indiquer le truc, bon c'est pas indispensable, et en gros vous décalez toute la colonne. Donc vous écartez toutes les cases vers le haut, alors ça c'est un peu galère à faire, c'est le seul bémol du jeu je trouve. Et celle en haut elle revient en bas. Et celle en haut revient en bas, ouais. Comme si c'était une sorte de cube ou un... Ou un labyrinthe. Voilà, on va pas le faire parce que sinon ça va être la merde. Parce qu'il va falloir du coup mémoriser les cartes, parce que évidemment les cases, la sortie est sur les côtés, mais elle sera plus forcément sur les côtés pendant longtemps. Oui, c'est au côté, au placement initial. Après, exactement. Après, ça va changer. À savoir que la seule case qui ne bouge pas, c'est celle du centre. Donc en gros, on ne peut pas bouger cette colonne-là et cette ligne-là. Donc on peut bouger cette colonne, cette colonne, cette colonne, cette colonne, cette ligne, cette ligne, cette ligne, cette ligne. Voilà, et vous savez à peu près tout sur le jeu. On va jouer chacun notre tour, et le but des gentils étant de sortir avant les 10 tours. Via les rooms 25. Via la room 25, donc via la room, la room qui permet de se partir. Le premier joueur étant le joueur ici. Le joueur, une fois qu'il a commencé, que tout le monde a joué, il passe en dernier joueur, etc. etc. Donc ça, c'est très simple. A savoir que si jamais tous les gentils, j'ai bien tous les gentils, se trouvent dans la room 25, et que la room 25, on fait un déplacement justement pour sortir la case, en gros, on déplace la case pour sortir le truc, les gentils gagnent. Le but des méchants étant de soit tuer deux gentils, soit eh bien, de temporiser jusqu'à ce que les gens ne puissent pas sortir. Okay. Si les gentils veulent se barrer, ils peuvent se... Si, imaginons, il y en a un des gentils qui meurt. Alors ça, dans les règles, je trouve que c'est un peu vénère, mais en gros, ils disent que... Imaginons, il y a trois gentils et deux méchants. Les deux gentils peuvent sortir si le troisième... enfin, les deux gentils peuvent sortir au dernier tour, sans lui. Mais je pense que... Dans les règles, je sais plus si c'est exactement expliqué, mais peut-être que lui peut mourir et quand il est mort, les autres peuvent sortir avant le deuxième tour. Ouais, ouais, ouais.
Mais sinon, s'il est, il est vivant, il faut attendre le 10e tour. Mais bon, le mec, j'ai une question. T'arrives, imagine, j'arrive sur la room 25, je suis gentil. Ouais. Je sors instantanément ou il faut que j'attende quelqu'un d'autre? Faut que tu aies tous tes gens, tous tes potes avec toi. Oui, mais du coup, dès que je suis dessus, je continue de jouer. En fait, je peux revenir. Ouais, ouais. Machin. Oh, ouais. Quand tu es dessus, tu peux continuer de jouer. Ouais. Mais du coup, il faut que tes potes arrivent, quoi. Donc, du coup, le seul truc que je suis pas sûr, c'est si en gros un des gentils meurt, est-ce que les deux autres gentils qui restent ont le droit de sortir qu'à deux, quoi? Bah, on va dire oui, ça, parce que sinon ça sera trop complexe. Bah, en fait, sinon, effectivement, on a trouvé que le jeu, en fait, s'il y a deux méchants, ouais, c'est très très difficile. Très dur. Ok, ça marche. Et à savoir que c'est de la programmation, donc il faut programmer ses actions. Donc, dire en première action, je vais regarder, en deuxième action, je vais me déplacer. Et donc là, tu mets ça et on retourne du coup toute notre première programmation. Enfin, chacun notre tour, on va dire bah, moi je regarde, moi je fais bidule, etc. Et le méchant, il a un avantage, c'est que si à la fin il dévoile qu'il est méchant, il a plus besoin de programmer, il peut poser direct. Mais ça, vous verrez. Et chaque salle, vous allez les découvrir au cours de la partie, parce que sinon, ça va vous faire ouais, chier. Ça va mettre trop de temps. Globalement, il y a des salles vertes qui sont pas dangereuses, il y a des salles jaunes qui sont chiantes, il y a des salles rouges qui sont mortelles. Donc, quand on check une carte, il faudrait qu'on trouve une notice, bro. Quand on check une carte, on a juste le droit de dire est-ce qu'elle est verte, jaune ou est-ce qu'elle est rouge. Il n'y en a plus en français. Donc c'est Room 25. En anglais. Il n'y en a plus en français. Non, non, il n'y en a plus en hébreu. Il n'y a que ces langues-là. Il n'y a que de l'hébreu. Il y a tout ce qui reste. C'est... Ou alors, attends, il n'y a pas les trucs qui sont expliqués ici. Tiens, dans l'Odyssée, ouais, il y a. Ah, mais on se la passera. Elles sont complètes. Mais non, mais nous, c'est bon, on a tout en français. Tiens, prends ça. Hop là. Ok, et ben voilà, donc je commence. On est parti. Le but, c'est d'aller assez vite. Si quelqu'un peut vérifier juste pour la sortie, mais effectivement, le truc, c'est que le seul bémol du jeu, c'est que je pense qu'il vaut mieux jouer à 6. Non, mais on va faire comme ça sera plus plaisant et ça restera plus sport et plus simple à faire pour les gentils, quoi. Après, pour les gentils, s'il n'y a qu'un seul méchant, ils sont archi bien, quoi. Mais c'est ça, pour ça que je trouve que le jeu est quand même mieux à 6 de mon point de vue. Hop là. Celle-là, c'est quoi? C'est jeté, ça? Ça, c'est jeté, ouais. Ça dégage. Donc, c'est un gentil ou un méchant. Donc, en gros, soit il y a un méchant entre nous, soit il y en a deux. Ouais. Bon, la dernière fois, il y en avait deux. Il y avait Xarizlou, je ne m'abuse. Je ne me rappelle pas. Au début de la game, chacun d'entre nous a le droit de regarder une des cartes. Je pense que c'est méchant. Donc, moi, je regarde cette carte-là. Ok. Donc, chacun d'entre nous a le droit de regarder une des cartes dans et peut dire ou non, ouais, dans le plus. Donc ça c'est le pouvoir de base. C'est au début de la partie, tout le monde peut regarder. Peu importe sur le truc. Hein. Oh ouais. Mais une carte dans le plus. Ah pardon. Une carte là ou là. Ça c'est c'est le seul truc que vous connaissez de base avant de programmer vos actions, quoi. Ouais, c'est un dawa là. Ouais. C'est mais c'est normal. C'est vraiment ce que j'avais dit. Il manque peut-être la petite punaise. Ouais. Pour regarder, quoi. Mais bon, en vrai ça coûterait beaucoup plus cher, je pense. C'est bon, tout le monde a regardé? T'as regardé où? Bon, t'as regardé toi là? Ouais, j'ai regardé. T'as regardé où, Max? Non, pardon, j'ai pas regardé, je suis un fils de pute. Non, tu peux regarder? Je peux regarder n'importe laquelle? Non, enfant de jeu. Là, déjà. Là ou là? Et un des quatre. Bah, c'est pas mal, ça donne des offres. Ouais, ouais. Donc il y a deux joueurs qui peuvent laisser la même carte. On peut laisser un peu d'espace pour le truc, mais oui. Donc toi, t'as regardé celle-là? Comme vous arrivez, je crois, non? On a regardé tous les trois celles-là. Ah oui! Pas mal. Pas malin ça. C'est du haut donc on bien sait joué pas. Ça, bien joué, bien joué. Est-ce qu'on sait déjà? Parce que techniquement, parmi nous, il y a des méchants, mais il y a aussi des gentils quoi. Moi, je ne sais pas parler. Moi, je dirais juste que cette case en sud. Parlant des hébreux, tiens. Je dirais juste qu'il ne faut pas trop y aller quoi. Bah, ça, c'est safe. Ici, c'est safe. Ok. C'est... Non, on s'en fout. Non, c'est bien là. Non, ouais, ça sert à rien. Ça, c'est safe aussi. Vraiment safe? Oui, c'est safe. Ok, et toi, Zul? Il a regardé là, c'est safe aussi, tu dis? Yeah. Yeah, yeah. C'est safe. Yeah, yeah, c'est safe. Bon, allez, joue. Ok, bah écoute, je du vais... Du coup, là, on programme un move. Ouais, programmer un move, les amis. Qui commence, c'est Sky? Ouais, donc faites vos programmations, ce que vous voulez faire, simplement. Donc, regarder, déplacer, machin, machin. Le bleu, c'est décalé, on est d'accord, décaler une colonne ou une ligne. Ouais. Moi j'ai joué. C'est deux, hein. Tu dois faire deux actions. Deux actions? C'est une, oui. Tout le monde fait la première et tout le monde fait la deuxième après, c'est ça? Exactement. Ouais. Ah oui, j'avais oublié ce détail. C'est bon? Ouais. Mm-hmm. Bon allez, je me déplace, je suis le violet, je me déplace ici, dans la zone safe. Du coup je la dévoile parce que tu as tué. Tout le monde... Et là, en fait, ils m'ont tous les trois menti, c'était une zone mortelle. Et je suis mort, en fait, nickel, bonne game, les gars. Et deuxième, bah voilà, on fait le tour d'abord. Attends, je sais plus si on fait tous une action. Je crois que oui. Bah, c'est dans cet ordre-là, en fait. Ah, mais je crois qu'on fait tous la première action et toute la deuxième action. Okay. Sinon, je me déplace. Je suis quelle couleur? Moi, je suis jaune. Ouais. Ah, je suis la meuf. Pas mal. Je me déplace là.
T'es sûr de ça? De quoi? De quoi? Fais tous la première, puis tu vas vérifier. Mais il me semble. Ouais. Ça prend pas longtemps et ça change tout. Ouais. Donc ouais, tant qu'on est au début de la partie, avant d'arriver au tour 25 et faire ah, mais, ah, en, mais fait, ça changeait tout. Au tour 25, alors qu'on joue à Roubaix 25, bien joué. C'est bien ça, c'est bien ça. Bon, bah, je vais aller là aussi. Pas le Mac. Pas le Mac. Bah, du coup, moi, je vais bouger le bateau. Vas-y, quoi, bouge. Hier, j'ai 3 airs. Je dois bouger un truc sur lequel je suis. Oui. Donc en gros, je suis obligé de bouger soit ça, soit ça. Tu peux pas, tu peux pas. C'est la seule que tu peux pas, j'ai hésité là. Bah, fromage. Bah, de qui je peux pas jouer. Ouais. J'suis bah, tu joues pas, c'est pas grave. Oui, le jeu est inspiré du film The Cube. C'est à moi. T'avais pas fait gaffe, c'est tout. C'est pas grave. Déplacement. Je me déplace ici. Oh là, il nous a pas menti du coup. Et si, car je voulais juste mourir en fait. Et hop, il va jouer à Smash. Alors ça, c'est quoi? C'est le téléporteur là? Là, tu peux non, décaler d'un tu cran. Peux décaler d'un la salle cran. De contrôle. Ah oui. Ça, elle est très très bien. La salle de contrôle. Et l'effet s'active tout de suite du coup? Ouais. Exactement. Donc, c'est ce que je vais faire. Non central. Ah, il se désolidarise. Tu pénètres dedans et. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a tout, quoi, on a tous, les gars, un jeton qui permet de mémoriser une carte. Ouais. Donc là, par exemple, cette... là, en gros, on sait que dans ce carré là, il peut y avoir la sortie. Dans attends, là, c'est toi qui as la flèche? Ouais. On peut mettre ça, non? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Voilà, pour dire que juste c'est descendu dans ce sens-là, quoi. Ça permet okay. De donner l'info. Ok. Allez, ça tombe. Bien, moi, ici, je... c'est peut-être sorti. Moi, je regarde dans ma deuxième action. Ouais, comment tu peux deviner et ça? Je vais regarder... C'est l'été par là? T'as bougé par là? C'est l'été là et ici. Là. Ah oui, la sortie est forcément sur l'extrémité. C'est ouais, potentiellement... Allez, sur 3 là, 3 là. Ouais, c'est vrai, c'est j'avais oublié ce c'est safe ce détail. Moyen. C'est pas ouf. C'est pas dingue. Okay. On a le droit de dire la room exacte. On peut dire c'est la couleur si on le souhaite, on n'est pas obligé. D'accord. On a le droit de dire l'effet. Ouais, sinon c'est pas marrant. On peut pas dire si c'est je sais pas une jaune. Bah, c'est une salle mortelle. Chambre noire ou une chambre froide. Et pousser dedans. Moi je regarde et je regarde celle-ci. Vas-y. On regarde de manière adjacente, hein, on est bien ouais. D'accord. Parce que Zulu l'a tenté une diagonale là. Pas moi, mon pote. Mais il a regardé comme s'il y avait un prix Goncourt dessus. Ouais, clairement. C'est bien ou pas? Il a l'air d'avoir une... Je connais pas cette salle. Regarde, regarde ici. Elle est là, elle est là. Elle est là. Ah, mais jouez, jouez. Ah, ouais, mais renseigne-toi, parce que moi, je pousse quelqu'un, donc... Oh ah, quel petit non, mais non, pute. Parce que... Bah, en vrai, ça permet d'avancer plus vite, techniquement. Ah, bah oui, oui. Bah, c'est vrai. Pas du tout. Non, c'est bah, si. T'as raison. Bah, si. Bah, si. Bah, si. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais non. Mais comment ça, oui et non. Si, ça fait gagner un déplacement. Si. Donc quand t'es méchant, oh là, Max, il a déjà le gros sourire en mode je suis méchant. Non, mais attends, je comprends mais pas, non, je comprends pas le but du jeu. Il a raison. Si tu pousses quelqu'un, tu révèles la salle. Bah, d'accord, mais bon. Non, mais si lui il me dit que c'est safe, je peux le pousser dedans et il est plus. Il est, mais on peut gagner un tour. Menti, tu vois. C'est pas safe. Ah. Ouais, c'est chiant du coup. Bah, du coup, pousse le. C'est quoi, c'est jaune, c'est rouge? Est-ce que t'as envie d'y aller? C'est pas safe. Non, est-ce que t'as envie d'y aller parce qu'il va te pousser dedans? Ouais, t'es méchant si tu veux pas donner les infos. T'es qui pourquoi n'importe quoi. Bah c'est pour ta vie en fait. Après je peux pousser là mais c'est risqué quoi. Je vous dis juste c'est pas safe. Je sais que après t'es je sais qu'il y a le bouquin pour moi ici donc. Quel intérêt oui, mais du coup pas c'est pas que c'est chiant. Chiant, c'est chiant. Je suis pas c'est pas safe c'est pas safe. C'est chiant mais bon si t'étais vraiment gentil je le ferais peut-être. Non mais je vais faire ça si c'est y a rien qui est ouais. Safe mais est-ce qu'il y a pas un truc où on peut je peux envoyer quelqu'un et il peut s'en sortir après. Donc, faut que tu... Après est-ce que c'est parce que on va regarder dans les comment ça s'appelle dans les jaunes la vortex elle est safe tu vois en vrai. Mm. Tu reviens au début alors au début. Oui, c'est oui, oui. Enfin tu vois c'est à toi de voir. La chambre noire je trouve ça trop cool par contre. Non c'est pas la chambre noire c'est la salle de vision qui est cool. Ouais, la chambre de vision elle est vraiment stylée elle permet de voir n'importe quelle salle quand tu rentres dedans. Mais ouais non bah pas fou hein. Pousse nous au début au pire. Ouais, bon. Ouais, les jaunes, on s'en bat un c'est peu. C'est naze. Bon. Ah, bah. Ok. C'est de la merde. Hein, mais c'est à toi, Max. Ouais, c'est clair. Ok, c'est à mon tour. Du coup, moi, je vais regarder. Alors, moi, je te conseille de regarder. C'est quoi la classe qu'on n'a pas regardé. Celle-là, on l'a pas regardée au début. Et celle-là, je ne la connais pas aussi. Celle-là, personne ne l'a vue. Non. Et celle-là, on la connaît pas puisqu'on a bougé le plateau aussi. Donc, ouais, je suis d'accord. Regardez par là. C'est pas une salle vide. Hein, c'est pas dingue. C'est pas une salle vide. Il a l'air d'avoir un peu peur. C'est pas fou. Ça c'est pas fou, mais c'est pas la mort. Ça change le tour des joueurs. C'est jaune. Genre après c'est Zulu qui commence. Après c'est Zulu qui commence. Après c'est le vert qui commence, donc c'est toi. Oui. C'est dans l'ordre du. C'est comme ça, tac tac tac. Du thermomètre. Je crois. Moi je regarde également une salle et je vais au cas où, mais... sans surprise regarder celle-là puisqu'elle est dans un coin et si on a de la chance. T'imagines direct. Si on a de la chance. Non, on n'a pas de chance. Méchant. Moi, je vais mettre mon marqueur.
Viu, viu. Alerte rouge, alerte rouge. Viu. Code Quantum. Ah non, c'est son voisin de gauche qui vient premier joueur. Pourquoi tu mets le marqueur? Parce qu'il faut pas y aller. Et que je veux me souvenir que mon marqueur est là pour une bonne raison, en fait. Non mais attends, Sky. C'est-à-dire que ça, faut juste le mettre dans le bon ordre. Oui, c'est ça. C'est quoi l'ordre, du coup? Bah, mais jaune... Bah, c'est... Ah, vas-y, un go, hein. Okay. Zulu, t'es jaune. Zulu joue. Ensuite, c'est Xari. Hein, voilà. Comme ça. Oh, okay. Donc là, Sky, c'est là. Fini, donc tu passes là. Exactement. Ok, c'est Zulu le premier joueur. On y va. Zulu. Il y a au minimum un méchant parmi nous, les gars, donc on va pas nous la faire. Okay, un ou deux, hein. Il y a plus de chances qu'il y en ait deux qu'un seul, donc... Oui. Ah, moi, je suis tu peux décaler un tout petit peu la cam vers... Ah, vraiment, vraiment, je t'assure. Ok, bon, je te crois. Par là. Regarde-moi. C'est totalement gentil. T'as décalé un tout petit peu par là pour que tu vois le plateau de... Je vais me pousser dans la lave. Ah, peut... ah non. Je permettrais jamais dans l'autre sens. Voilà, voilà. Par... Deuxième chose à l'époque. Ah, c'est relou. Ah, c'est relou. Voilà. Tu vois. Nice, merci. Vas-y, hein, Zulu. T'es le boss. Pardon. Programme. Ah, j'ai programmé. Ah bah, vas-y. C'est dans ce sens. Peut-être un tout petit peu moins. Donc le but, c'est de savoir qui sont les traîtres, hein, en gros. Alors, je me déplace. On peut pas vraiment savoir. Je vais ici. C'est délicat. Du coup, je dévoile la salle. C'est ça? Ah, il a menti. C'est la salle Vortex. Mais il est con. Il a menti. Mais tu vois, il est vraiment con, en fait. Mais pourquoi? Mais parce que si, si Xav t'avait poussé dessus, bah, on aurait gagné un putain de tour, en fait. Oui. Oui, oui, non, mais je sais. Oui, donc, mais... bah ouais, t'es méchant, t'es, je te baisse. Donc, ne prends pas de décision hâtive. Vas-y, Xari, non, Xari, c'est bon. Il est pas méchant, t'avais aucune raison de nous le cacher. Et si, pour voir si. Non, si, va... si, mais soit si, méchant, si, soit ouais. T'es méchant, soit t'es ouais. Zéro. Mais laisse-moi finir. Non, non, il aurait pu le pousser quand même, tu vois. Il aurait pu dire, ça craint, et il aurait pu me pousser en mode, ah, je dévoue. Ça aurait été con de sa part de dévot tour 1. Ça aurait été con. On a combien des trucs comme ça, des flèches? Ça aurait été con de sa part de dévot tour 1, mais je voulais essayer. On a qu'une. On a qu'une. Non, il y en a 4. 4, ouais, parce que. Je me suis rendu compte de mon erreur après, voilà. Normalement, je crois qu'au bout d'un moment, elles disparaissent. Mais... J'ai fait ça. Ah. Et vas-y. Ah, par contre, j'ai pas planifié, donc c'est chiant. Je le fais. Zoul, zoul. 2. Bien joué. Mais bien sûr qu'il a pas le droit de dire le contenu exact de la salle, mais s'il a dit tu peux me pousser, c'est safe, il a le droit de dire ça. Oui, mais je suis pas fait de dire la vérité. C'est safe ici. Je comprends pas pourquoi t'es allé là. Je n'en ai aucune, si tu sais pas, là. Aucune des deux, j'en ai aucune. Là, c'est pas safe. Il faut savoir que ça, c'était là. Ça, celle-là, c'était safe. Pas la pire, mais c'est pas bien. Ah oui, Sky connaît celle-là, ouais. Effectivement, je la connais. Hop, c'est à moi. Je vais regarder celle-ci. Ah oui, bien vu ça. Ah oui, bien vu, hein. Moi, j'ai peut-être fait une connerie. Là, il a mis moins de temps que tout à l'heure, ça doit être assez safe, je pense. Moi, je pense qu'il est gentil parce qu'en fait, en vrai, s'il a été méchant, il aurait pas intérêt à la montrer. C'est à moi. Il a menti, tu vois ce que je veux dire. Enfin, qu'il a bluffé. Oui. Donc, je pense que t'es gentil pour cette raison. Ah, mais c'est juste que. On est dans la phase où on doit tester nos teammates aussi, tu vois. T'es juste méchant. C'est un peu tôt au début me de partie. Me parle pas. J'ai pas dit que j'étais le meilleur joueur, hein, mais... Mais t'es le meilleur joueur, la dernière fois t'as gagné. Ah, j'ai gagné 3-0 à Yu-Gi-Oh! Hier, mais... Donc là, tu peux donc mettre... T'as mis un ping? Mets la flèche. C'est toi qui l'as mis le ping? Oui, oui, c'est moi. Okay. Mets la flèche là, Zou. Oui, exactement. Sky, c'est à toi. Et pour, à quoi sert la flèche? C'est pour dire dans quel sens on a poussé, mais... C'était quoi, ça, on peut repousser dans le même très sens. Très bonne salle. Ah oui, tu peux repousser à l'infini. Ou dans le sens contraire? Ouais, oui. Ah bien. Mais t'as pas programmé du tout en fait. Merde, bon, désolé, j'étais pas du tout. Eh bien, ce sera tiré au sort, tu vas être dans cette case là, tu vas mourir. Voilà, exactement. De toute façon, j'ai pas le choix. En fait, déjà de base, au centre, t'es. Enfin, oui, techniquement, t'avances. Ton premier move, c'est entre l'un des deux. C'est regarder avant. Ouais, c'est ça, pousser, tu peux pas et déplacer, tu peux pas. Donc, après, pousser, tu peux pas. Pousser, tu peux pas. Si, il peut pas pousser. Alors, tu peux pas pousser dans la salle du début. Je l'ai dit tout à l'heure aussi. Hein. Sinon, pour éviter dès le tu regardes ça, c'est une salle mortelle, tu pousses. Ah, hop, gagné. Donc, non, ça veut dire que Max, là, il a programmé pousser. Non, ah, j'ai programmé pousser. Non, mais vas-y, change le dieu. Je vais mettre autre chose. Je vais me déplacer. Max, il a rien écouté. Je vais me déplacer, my bad. Pas grave. Je regarde cette très bonne salle. Merde. Oh, oui. Ah, bah, je l'ai vu. Merde, je l'ai montré trop. Bah, gros, je regarde le plateau. Non, mais c'est ma faute. C'est une très bonne salle. C'est une très bonne salle. Je peux pas dire, mais franchement, ça craint, quoi. Non, c'est une très bonne salle. Ça doit être la salle de Vigienne. Presque. Mais non, je suis pas content d'avoir spoil l'émission. Presque, après, c'est, voilà. C'est la chambre noire. J'ai gagné quoi. Ah, t'as vraiment été fort hier. Hein. J'ai rarement vu un level comme ça. Ramage hein. Izizulu, j'avoue. Enculé, fils de. Maxildan, tu es peut-être gentil également. Du coup, c'est à qui là? C'est à. Deviens. Zulu, c'est à toi ton deuxième move. Je pousse. Tu peux pas pousser au centre, mais personne avec ce qui tu peux pas pousser au centre. Tu peux pousser que là où t'es méchant. Pourquoi?
pardon, bah tant pis, je passe le tour. C'est méchant. Sans regret. À toi, on verra plus tard. Pensez, en fait, on, il a fait exactement la même erreur au début. Il est méchant. On peut pas pousser les cases et les joueurs quand on est dans la case. Si, on peut pousser les cases. Méchant, je suis juste rincé. Mais tu peux pousser les cases que là où t'es. Les gars, t'es au centre. Je vais pas tous coucher à 7h du matin. Oui, mais si je suis ici, je peux pousser un joueur. Ouais, voilà. Non. Tu peux pas pousser du joueur. On peut ni pousser les cases ni les joueurs quand on est dans la case centrale. Oui, je l'ai dit là, ouais. Ok, je pensais que c'était qu'on pouvait juste pas. T'as juste perdu un tour. Bon, c'est logique en plus. Exactement. Non, mais c'est logique en plus. Moi, je bouge, ouais, mais le problème c'est que je pousse et j'ai gagné. Là, c'est nul. Ouais, mais je suis là, moi. Attends, t'es où, t'es là? Merde. Ah oui. Bah ouais, mais c'est ça qui est chiant. Je pensais que. Bah là, si c'est à sortie, t'as. Attends, tu te déplaces, c'est ça? J'avais, ouais, j'étais en mode quelqu'un va check un peu autour de moi. Là ou là ou là, là ou là, tu vois. Mais là. Bah là, tu peux y aller, si tu veux. Bah non, t'as dit que c'était pas ouf. Oui, mais ça te tue pas. Donc. Mais là, celui qui te tue pas te rend pas Max, plus fort. Là, Max, il faut savoir que c'est impossible que ce soit la sortie. Hein. Parce qu'on a poussé dans ce sens-là. Donc ça, il a raison. Il a raison. Exact. Donc, bah voilà. Ou pas. Je pense que c'est pas une bonne idée. Hein. T'as attends, quand même. Ici, c'est safe ou pas? Non. On sait pas. Non, c'est rien. On sait pas. Donc là, on sait pas. Là, c'est OK. Et là, on sait pas. Et là, on sait pas. Sauf que là, c'est peut-être la sortie. Peut-être. Oui, ça fait partie des possibilités. J'attends la sortie. Bah, là, gros, tente, pire, tu oh là la vie! Non! Voilà. Non! Non t'avais... Oh. T'avais quand même beaucoup de chance de crever, hein! Ouais. Non, pas de crever! T'en as 4 hein, qui te tuent, hein! Mais non! T'en as 4 sur la liste qui te tuent déjà, hein! Déjà, la salle mortelle est one shot! Ah, mais 4 ouais. 25! La salle piégée! Ah, mais one shot! Est-ce qu'elle te one shot peut-être? Non! Que, non, y a... non, le Vanacid te tue pas, il y a la salle piégée! En gros, il y a que la salle mortelle qui te tue! La salle mortelle qui te tue! En vrai, il y a que la salle mortelle qui te tue, je pense qu'il te tue! Bah oui, parce qu'après, je peux me bouger! Ça va! La salle piégée, c'est la fin de ta prochaine action, donc ça va, tu vois! C'est si tu rentres dans une salle piégée! Au premier tour, là, t'es baisé! Et là, t'es baisé, ouais! Salle des illusions, elle est ok, la salle inondable, elle est ok aussi! Oui, en vrai! Bah, on recommence là! Il n'y a que la salle mortelle qui chante. Bah non, mais attends, et nous, il nous reste nos deuxièmes. Oh, regarde le Max Dan qui fait. Oh, en vrai, il n'y a que la salle mortelle où je peux les tuer, quoi. Max, en vrai. Oh là là. Oh, du coup, tu te déplaces. Max Hildo. On l'a vu, on l'a vu. Max, ça c'est. Yes ça, c'est ouais, non, mais ça, c'est bon, ça. Je vais y aller. Hop. Oh le bâtard. Max Hildo, encore une fois, qui fait. Je la prendrai avant le. D'accord. Bah, donc, en gros, cool. Je peux déplacer cette salle avec n'importe quelle autre salle cachée de mon choix. Et c'est tout. Ouais. Et tu vas, tu pars avec elle. Bah en gros, l'intérêt c'est peut-être. Ah moi de... je vais aller genre. Va vérifier. Non voilà. Comme ça tu nous donnes une potentielle. Donne une sortie. Info quoi ouais. Attends, pas forcément là parce que attends. Parce que attends, celle-là on les a bougées à gauche. Celle-là là, elle était là. Donc celle-là ouais elle peut être. Celle-là c'est potentiellement une sortie celle-là aussi. En gros regarde. Ouais, vas-y là. Les quatre peuvent être une sortie. Les quatre peuvent être une sortie. Ouais. Celle-là pas les quatre si. Celle-là non. Si, c'est bon, c'est bon. Et comme ça, tu check ce qu'il a mis Gigi là-dessus. Ça me va. Et en fait, là, c'est. Celles-là, elles sont bonnes. Hein. Là, il se dit, j'ai éliminé la salle mobile à l'opposé. On est débarrassé. Mais je suis pas à l'opposé, je suis dans n'importe quel coin que je vais, c'est pareil. Ah, toi, j'ai rien. Ouais, moi, c'est. Regardez. T'es méchant. Je te sens tellement méchant, Max, désolé. Pour moi, t'es méchant 1000%. Je suis un loup-garou. C'est quoi, t'es tellement méchant. Non, c'est une salle safe, une salle. Ok, bah, toi, Sky. C'est une salle quoi? C'est une salle. Trop drôle comment tu dis ça. T'es tellement méchant, en fait. Ok. Bon, je suis méchant. L'ordre. Attends, moi, il me reste mon déplacement. Ah, pardon. Il reste ma dernière action. C'est Sky et Gigi méchant. Ah oui, c'est qui peut clairement faire ça parce que c'est méchant. Je me déplace. Ah, tu peux plus la prendre, la room, hein, méchant. Méchant, méchant. Méchant. Bah, moi j'ai emmerdé, méchant, hein. T'aurais bien voulu l'éloigner de nous. C'est vrai, je jouerais très mal si j'étais méchant. Ah bah. Tu tentes ou pas? Et moi non. Mais vas-y. Bah, tente, hein. Y'a que la salle mortelle qui tue. Y'a que la salle mortelle qui tue, on s'en fout. Ouais, ça fait quand même, pas, non, ça fait quand même une chance sur 10. Hein. Pas toi. C'est toi, t'es l'autre. Fait quand même une chance sur 10. Hein. Vas-y. Ouais, je vais là, du coup. Allez. Tu te déplaces. C'est peut-être la sortie aussi, hein. Ou pas, hein. Ah oui, je vais pas regarder. Si, bah si, tu dévoiles. Non, mais tu dévoiles. Tu dévoiles, tu vas. C'est la sortie, voilà, yes. Oh là là. Ça déclenche un compte à rebours quand on arrive à la sortie avant le tour 5. Ça déclenche un compte à rebours et donc là on arrive directement au tour 5. En gros, il nous reste 5 tours. Ça va, 5 tours. Hein. 5 tours. Bah Max, il va falloir tracer. Hein. Va falloir que je trace, moi. Je suis dans pour nous tuer. Non. Bah après, non, ça va. Alors attends. Il faut juste que j'aille là. Et ça violet. Prendre putain, j'avoue, le bol que t'as eu de prendre... J'avoue que la variance. Non, j'avais bien bougé le truc. T'avais déjà fait ouais. Okay. Ah, c'est à moi de commencer du coup. Exact, de commencer. Bah, on va pas programmer ça parce que ça sert à rien. Là, la question c'est est-ce que c'est. Ouais. C'est est-ce que la 5, le 5ème. Est-ce que c'est 5 tours à partir du moment où je rentre? Donc là, on passe directement au 4ème tour. Bah, passe par là, c'est safe. Mais non, je passe là moi.
Ah ouais. Oui. Putain, j'avoue, toi t'es. Je suis full con, oui, toi t'es bien. Moi, comment je fais? Bah, je commence du coup. Je veux bien que quelqu'un regarde ça. Que je. Ah non, c'est ça. Attends, celle-là, elle est pas safe. Ah oui. Bah oui. Non, vraiment pas safe. Tu meurs, en tout cas, t'es pas bien. C'est pas cool. Non, tu meurs pas, t'es pas bien, non. C'est pas cool. Oh, en tout cas, va pas dessus, vraiment. Attends, mais pire, je peux me déplacer et retourner dans cette même room. Et comme ça, je me TP. Oui, tu peux, je peux te TP là. Et puis après, c'est pas ce qu'il y a là non plus, par contre. Bah, je vais juste faire la même chose en fait. T'es pas obligé de venir nous attaquer, mais. Mais il croit. Donc là, le but, c'est que tous les gentils rentrent ensemble. Ouais, mais attendez, parce que. Ah, il faut qu'ils sortent, on est d'accord. Je suis faut pas que la room sorte du. Là, il va falloir faire des déplacements. Parce qu'il faut que cette room, elle se retrouve à l'extérieur du cube, je crois. Exactement. Il a bien suivi, hein. Ah ouais, mais je joue pas. Il a bien suivi, comment faire pour pas qu'on gagne. Moi, je propose qu'on attende pas Max et qu'on fasse. Toi, tu peux. On peut se pousser là. Il faut combien de survivants? Tous. Mais oui, c'est ce que. Bah, donc, vous êtes obligé de m'attendre. Mais c'est ce que je me. Mais en vrai, c'est ce que je me demande, c'est comment faire pour savoir si on a été gentil ou pas, quoi. Mais. Genre, je passe au premier tour, en fait, direct. En fait, il y a un moment, on va tous se retrouver dedans. Et là, va falloir que les putes se révèlent, quoi. C'est à toi, Max. Ah, pardon, bah du coup, je vais regarder ici. Bah, il faut que tu me montres, c'est quoi. Ah, pourquoi il rigole, lui? Je sais pas. Il faut rire, le chat. Quand je dis tous les gentils, tu t'inclus pas dedans, Zoul? Ouais, ça. Zoulou, qu'est-ce que t'as? Zoulou! T'es méchant? Ouais, du coup, c'est une rouge. Allez, vas-y, je vais y aller, c'est marrant. Je suis pas méchant. Attends, mais il faut que tu. T'es méchant, Zouzou. En vrai, ça me paraît tellement impossible de win. Max, il veut jouer direct. Il faut vraiment que tous les joueurs dans la game, même les méchants, soient dans la salle et qu'ils ne fassent rien, quoi. Genre, c'est tellement impossible. Ça m'a l'air tellement impossible. Ah, donc faut vous aviez à tuer les méchants. Il y a marqué les prisonniers remportent la partie si tous les prisonniers présents dans la room 25 et qu'ils déplacent hors du complexe en jouant l'action contrôlée. Pourquoi t'as dit, Max, il faut que vous arriviez à tuer les méchants? Non, mais... Comme si t'étais pas gentil. Ouais, comme si tu t'incluais dans. Bah non, mais en vrai, si t'étais gentil, tu dirais, il faut qu'on arrive à tuer les méchants. Sinon, on part sans Max. Si. Et on voit ce que. Oui. C'est très bizarre quand même. Hein. On part sans Max. Tu crois qu'il est méchant? On peut tester de partir sans Max. C'est à toi. Et au pire. Il faut tuer Max. On va tous dedans et on part par là. Et comme ça, on va arriver ici. Non, regarde. Tu peux pas, vu que je. Non, déjà, non. Oh, bah, c'est le but du jeu, Max, je suis désolé. je galère avec ma voix en plus. Non, mais juste, vous pouvez pas partir sans moi. Puis vous devez partir avec tous les gentils. Voilà. Bien vu ça. Donc, on peut partir sans toi. Non, mais par contre, en vrai, pour gagner le jeu, il vaut mieux, entre guillemets, tuer deux mecs. Ou tuer même trois mecs, entre guillemets. Alors, okay. Quand tu tues les gens, il y a marqué si un personnage est éliminé, il garde son identité secrète. Si un deuxième est éliminé, le premier révèle. Si le premier est un gardien, la partie continue. Si le premier est un prisonnier, les deux éliminés doivent. Le deuxième éliminé doit révéler son identité. S'il est gardien, la partie continue. S'il est prisonnier, les gardiens. Ah oui, parce qu'il ne faut pas qu'on tue. Mais effectivement, il n'y a que les gentils qui doivent partir. Mais le truc, c'est comment tu sais que c'est les gentils ou pas. Mais c'est ça. Mais au mieux, en vrai, il vaut mieux partir à 4. Ah mais ah oui, c'est mieux de tuer un mec, qu'il soit prisonnier, ou gardien. Ah mais si un mec est mort, par contre, tu viens là. Si un gentil est mort, nous on va là et on fait ça. Et au pire, on va apparaître là et on pourra sortir de l'autre côté avec toi. Non, tu t'apparais pas. Si tu sors, si la room 25 elle est là, bah tu sors du coup. Ah bah, attends, par contre, ce truc c'est que si un des joueurs meurt, si un joueur est mort, on doit forcément sortir au dernier tour. Oh. Oui, c'est, okay, c'est chaud. Wow, quel enfer! En vrai, le mode suspicion il est vraiment compliqué. Bon, allez, vas-y. Si vous voulez, on ferait un mode plus simple. On est où là? Équipe. En gros, on est en deux équipes. C'est Azul. Sky. Ouais. Sky, t'as fait quoi? T'as regardé quoi? J'ai regardé celle-là. Ok, et donc. Okay. Ouais, de toute façon, ah, mais vous avez tous prédit là? Non, là, c'est le bah oui, c'est le tour. C'est à moi de commencer à prédire. Mais non, c'était ton deuxième choix là que t'as mis tout à l'heure. Non, c'est moi qui ai commencé et on a tout joué et c'est à toi de. C'est toi le dernier. Ah, mais il avait pas prédit. Ok. J'ai pas prédit. J'ai pas vu ce que vous avez fait de toute façon. Vaut mieux que je tue tout le monde. Mais non, parce que si tu tues. Je sais pas quoi te dire, tu me crois pas. Oh, peut-être j'ai tort. Eh, hey, tu me crois pas. Bien dit, Max. C'est à moi là? Non, pas du tout. Parce qu'il est dans la fatigue. Moi je me déplace. Je vais dans non, mais je vois que personne joue, c'est pour ça. Ah, moi, du coup, bah moi je regarde, je vais regarder oh là là. Ça me bat les couilles. Voilà, Zoulou. À toi. Fait peur, quand même. En fait, il y a un autre truc, c'est que vous pouvez me focus autant que vous voulez, mais déjà, un, c'est peut-être pas moi, et deux, il y en a peut-être deux méchants. Donc,
Oui, non, mais t'es pas tout seul. Je suis d'accord. Ça va, Max? Là, t'as mis déplacement? Pardon, excuse-moi. J'ai mis déplacement, je vais aller là. Ouh là là. Le risque du joueur français. En plus, premier déplacement, non, deuxième. Ça trouve, c'est un room d'illusion. Ça, c'est bien ça. Du coup, je la mets à la place. En gros, je l'échange avec une room cachée. Et j'applique son effet. Il y a quoi de safe? Il y a celle-là. Ouais. Celle-là est safe. Celle-là. Celle-là est safe. Celle-là, elle est OK. non, celle-là. Celle-là, elle est vide. Mais si, il y a encore un truc en français. Oh, ça t'a saoulé, toi. Attends, moi, j'ai regardé une... Là, en gros, pour les viewers, en gros, il est là. Celle-là, il... celle-là, Max. En Max, gros... 100%. Fais-moi confiance, si t'es gentil. Ça, c'est une salle vide. C'est une salle vide. Pas confiance. Tout à l'heure, le truc était là. J'ai regardé cette salle. Non, vraiment, je t'assure. Pousse Xari et déplace-toi après, Zoul. Bah, bah alors. Tu veux pas crever. Après, tu peux pas pousser dans la salle nue. Ça, 100%, c'est une salle vide. Les gars, en gros, l'idée, c'est que là, il va remplacer cette salle-là par cette salle. En gros, cette salle, ouais. Elle va aller là. Par contre, si tu la mets là-bas, nous, pour nous, c'est la galère. Mais... Bah non, on s'en fout. Il se déplace, c'est la classe, quoi. On va nous pousser dedans. Oui, mais ça. Ah. En vrai, oui, c'est... En vrai s'il pense ouais, à pour ouais. C'est pas le must, quoi. Mais... du coup, en gros, il choisit une salle. Okay, elle échange. J'avais celle-là. Et la salle. Sky est persuadé que je suis méchant, donc clairement, il a glissé gentiment que vite fait sans me regarder que celle-là, elle était safe. Et maintenant, il essaie de me mettre dans la tête que si je mets cette room-là ici, ça les arrange pas. Donc, il dit s'il est méchant, il va clairement le faire pour nous baiser. Donc, je vais absolument pas aller là. Ça doit Max, bien être une salle. Max, prends celle-là. Prends ça. Bien aller ici. Je vais faire confiance à J. Si j'ai tort, bah tant pis pour moi. Quel dommage. Hop, salle safe. Voilà, je suis ici. Donc, moi, je suis un bro, en fait. Attends. Bien sûr. Moi, je fais un déplacement. Non, oh, bah, c'était... Oh. Mec. À toi, Sky. Tu donnais à fond, en fait. Sky. Je décale. Ah, attends, mais... et moi, du coup. Et moi. Je vous que tu passes... Et si elle est méchante dans la salle et qu'on avec lui. Je fais ça. Et ça, après... attends, ça, attends, tu peux déplacer n'importe quel truc du plateau. Ça, là. Mais il a le droit. C'est pas forcément là où. Tu pourras déplacer là et tu pourras encore déplacer la truc, je veux dire. Ouais, je te dirai après. Okay. Oui, oui, mais. Je te dirai après. J'ai compris, gros. Hein. Tac. Donc là, on peut enlever les flèches. Et si on sort avec le méchant dans la salle Quoi? Si on sort avec le méchant dans la salle. T'as gagné quand même. Mais tant que Max n'est pas avec nous, on peut pas gagner là. Non. Et Max, c'est pas si les méchants. Il y a marqué tous les prisonniers, donc techniquement. Oui, mais. C'est pas Max, prochain tour, il va là, il se met ici parce qu'il se déplace avec la salle et il fait ça. Oui, c'est juste ça. C'est genre. Très simple, cette case est safe. De toute façon, il échange la place, donc... Oui, en plus. Ok, moi, je... c'est à moi de jouer. Hein. Du coup, je regarde. et je regarde ça. Il t'avait dit d'aller là. Ouais. Alors, c'est une pute ou pas? Ouais. On a deux méchants ici. Hein. Sky Zulu. Faut que je fasse l'analyse. Très belle équipe, hein. Le truc, c'est ça, j'arrive pas du tout à voir qui est méchant. Là. Alors attends. Parce que vous avez tellement focus sur moi. C'était à moi. Que... Mais non, c'est plus à toi. Bah si. Mais t'avais joué toi. T'avais fait tes deux actions. Ah ouais. Ah. Ouais. Là, du coup, on passe à ce tour-là. Et là, c'est au tour de Max. C'est Max qui va commencer maintenant. Ah. Là, on prédit nos actions, les gars. Ah. Alors attends. Il y a un gars qui dit, ouais mais masque tombe, il n'y a pas marqué ça, il y a marqué à n'importe quel moment du jeu, si le total des personnages sur la room 25 et des personnages morts est supérieur au nombre de personnages restants, ces derniers, donc les personnages vivants hors de la room 25, révèlent leur identité. Mais je comprends pas trop cette phrase. Moi non plus. À n'importe quel moment du jeu, si le total des personnages sur la room 25 et des personnages morts est supérieur au nombre de personnages restants. Ah, ouais. Si. Bah, imagine, techniquement, techniquement, nous deux, on doit des voix. Mais attends, c'était sûr que c'est ça? Ouais, je suis pas. Ah, en fait, il y a marqué au nom du personnage restant, mais ils auraient dû préciser hors de la salle. Parce que... Attends, ça marche pas ce que t'as fait. Non, en fait, il fait si, ça. Si, oui, je vais juste prendre celle-là. C'est juste pour pas mettre le dawa dans les, okay. Dans les cases. Bah là, ça veut dire à mon avis, la traduction française est peut-être pas ouf, mais je pense que ce que ça voulait dire. Parce qu'il y a marqué, je vous lis la phrase exacte, à n'importe quel moment du jeu. Si le total des personnages sur la room 25 et les personnages morts est supérieur au nombre de personnages restants, mais restants de quoi? Restants en dehors de la salle, je pense. Bah que oui. Pour moi, restants c'est en vivant, en fait. Vivant en dehors de la salle. Après, il y a marqué... Là, il y a plus que la moitié dans la room.
Donc je pense que du coup, vous devez révéler vos rôles. Il y a marqué ces derniers, donc les personnages vivants hors de la Room 25 révèlent leur identité. Mais le ces derniers est bizarre. Mais je pense que du coup, si on est trois là, rendez-vous. Vous devez dévoiler vos... tous les deux méchants, yes. Oh on a gagné. Surtout Fillon. On n'a pas gagné du tout, là, je peux te dire. On n'a pas gagné du tout, ouais. On n'a pas gagné du tout. En fait, c'est toi qui as découvert la Room. Ah, il faut qu'on se mette là-bas. Il faut qu'on, non, il faut qu'on décale la Room à l'extérieur, là. D'accord. C'est à moi, du coup. Moi, j'aime pas être. Restant égal vivant en dehors de la salle. Ouais, mais du coup, c'est bizarre. Non, 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 non. T'as le déplacement là ? Par en bas, gros. Oui. Attends. Non, mais oui, mais oui, non, mais c'est bien, non ? On a gagné, en fait. On n'a pas encore gagné, mais. Mais il faut pas qu'on soit en. C'est à qui de jouer après ? Attends. Ah ouais. Attends, j'ai pas compris. Juste explique-moi comment on fait pour gagner. Moi, je croyais que déjà, il fallait juste aller dans. Si, la... Non, non, mais ça peut se faire tous les points. Attends, qui joue en premier ? Là, c'est moi. Non, c'est Max. Mais attends, qui a commencé à jouer dans ce. Max, il s'est déplacé juste. Il est venu là-bas. Max a commencé à jouer ? Oui. Max, il reste une action ? Attends, j'ai pas programmé non plus. Mais programme, enfin genre, vous avez programme à raconter vos vies en fait, faut juste programmer. Mais moi ce que je veux savoir c'est comment on gagne en fait. C'est juste ça. Là, sortir. Là c'est bon là. Si non, Sky, si, ah, là, on a gagné. Si Sky a dit ça, il a gagné. Ouais bah oui, ah, là, c'est fini, gagné en vrai. Mais vous avez gagné là. Mais voilà. Ouais. D'accord, ok. Bon, ouais, on a vraiment pas chaté parce que vous avez trouvé la room au moment. En fait, au moment où je vais à l'autre bout de la map. Yes! C'est toi qui nous a donné. Let's go! Mais si! Ah si! Mais si, c'est toi! T'as pas, eu, t'as pas eu de chance, mais oui! Mais t'as pas eu de mal, mais c'est toi qui nous donne. Bah, t'as sorti la room mobile avec ça! Avec ça? Ah oui, et vous avez. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez été à côté et putain, c'était celle-là et j'ai fait yes, bah énorme, je suis à l'autre bout de la map et ils ont trouvé la room. Ouais. C'est bizarre, suffit de dire. Ouais, mais c'est. Ouais, mais c'est, je trouve que c'est. C'est pas bizarre, suffit de le dire. Le mot restant, et ils auraient dû marquer restant. Ils auraient dû marquer vraiment. Oh, mais c'est compréhensible. C'est compréhensible, mais c'est pas ultra défini, je trouve. Mais ok, bah let's go, on rejoue. Ouais, carrément. Yes, bah ouais. Est-ce que tu veux faire un plateau plus difficile? Je sais pas, peut-être rajouter des cartes que t'avais pas. Non, c'est le mode de suspicion, c'est ce mode-là en fait. D'accord, en fait okay. Je sais pas si c'est modifiable. En fait, le problème des autres modes, c'est qu'ils sont trop simples. Genre le mode coopération, c'est on est tous ensemble et faut sortir en moins de 8 tours. On va y arriver fois 1 milliard. Non, mais puis chier. 1000% on va y arriver. Le par équipe est pas trop mal, mais le truc c'est que faut être pair quoi. Donc il y a marqué 4 ou 6 joueurs. Il y a que Gigi quoi. On est un pair. Et en gros par équipe c'est sympa, c'est le premier qui sort quoi. Non mais relève même pas en région. Hein je n'ai pas compris. Il faut être pair. Il a dit il y a que Gigi ouais. Parce que pair pas P-A-I-R-E, mais pair papa ouin les enfants lol. C'est chiant si au programme. Ouais, j'avoue que par contre le problème c'est qu'il faut. Faut programmer avant parce que là, à chaque fois, c'est en mode. Ouais. Oh, faut programmer, t'as les deux trucs là. Mais là, dans ce cas. Ouais, mais programme, il programme devant le truc, c'est trop facile sinon. Ouais, mais je suis d'accord, mais là pour le coup. Non, mais c'est inadmissible, Sky. Là pour le coup, genre. Allez, refais le plateau, mec. Faut vraiment qu'on dise OK à la fin de tour, reprogrammer, tu vois. Ouais. Parce que là. Après, je vais pas vous mentir, j'étais sur la room à déplacer en dehors de la map. J'aurais peut-être déplacé la map en dehors de la map. Ouais. Non, mais je parle pas pour ton tour, je parle à chaque fois. C'est pas clair. Je suis d'accord, Mais en général, la fin de game, je pense pas que ça changeait grand chose. Bon, mec, faut tout mélanger. Hein. Faut tout shuffle, faut juste. Sauf récupérer la salle de vision. Il y a une salle de vision à récupérer. Et effectivement, bro, t'avais raison, la salle où je t'ai dit ouais. Bien sûr, hein, gros. Ouais. Elle était totalement pas safe. Moi, je pris pour le dernier des gens. Elle était totale. C'était une salle inondée, t'allais 100% mourir si tu changeais. J'étais sûr que t'étais méchant. Il y en a deux des salles inondées. Ah oui, parce que moi, celle que je disais de pas y aller, c'était la salle inondée aussi. Le pire, c'est quand tu m'as dit t'es méchant, je sais très bien pourquoi tu m'as dit. Ah, mais il y a deux salles mortelles aussi. Ah, ouais. J'ai eu la pire réaction de la Terre. Et j'étais là, genre. Oh, t'as dit quoi, j'ai pas fait. Bah, en gros, je sais plus. Il m'a dit un truc. Et j'ai fait genre, j'entendais pas. Et je l'ai regardé avec un regard un peu vide et tout. Et j'étais là, genre. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens tellement de dévot, pouf. Envoyez. J'ai vu que t'étais au bout de ta et j'étais trop fatigué pour faire coup, genre. Mais non, mais pas du tout. J'ai pas réussi à faire le Zoulou. Donc j'ai perdu. Après, il a fait un bon. Vous les gentils, vous devez faire ça. Alors, ça, c'est incroyable. C'est le pire truc. Zoulou, vous arrivez, vous me donnez vos rôles. Salut, milieu. Elle ressemble beaucoup là. Mais moi, après, j'aime pas être méchant là, dans ce jeu, je trouve. Je reprends ce rôle en plus, on sait jamais. Ah bah, mais moi, je propose de garder deux méchants, non? D'accord. Parce ça que aussi, ça aussi, limite enlevons un gentil, mettons toujours des méchants, non? Ouais, c'est très bien. Ouais. Ou alors, Non, on va aller. Bop, Sky, c'est bon. T'as dit un truc. J'ai niqué la game là. Bap, de bap. J'ai dévoilé une carte. Ah, on s'en fout, gros. Alors, mélange celle qui te reste, c'est bon. Oui. Je vais remélanger tout. Mais non, bah. Ouais, je sais pas. Non, c'est bon. Mais Sky, mais fais le plateau, je vais t'arracher en fait. Il y en a qui disent qu'il n'y avait pas de reveal. Non, il y en a qui disent qu'on n'aurait pas dû faire de reveal. Mais pas parce que les règles sont pas bonnes, juste parce qu'ils trouvent que c'est moins bien. C'est tout.
Ah. Mais en vrai, le truc, c'est que dans le jeu. Que c'est dommage qu'on ait reveal tous les deux. Ouais, mais en vrai. Ah, mais le problème, c'est qu'on peut pas finir si on reveal ah, pas. Ouais, c'est parce ça. Que, en vrai, le problème, c'est que si vous avez jamais reveal, on serait plus attendu, vous aurez mis 15 ans, on aurait. Enfin, non, c'est que pour gagner, il faut que tous les gentils sortent. Oui. Mais si on sait pas qui sont les gentils, comment on peut savoir? En fait, si tu reveal pas, ils peuvent méchant, pas gagner pas. Parce que nous, on arrive dans leur room et puis on les pousse à l'extérieur. Oui, après, tu peux. Là, ils ont eu de la. Entre guillemets, on a eu de la déchatte. Ouais. Dans le sens où si j'avais été à la place de Jiraya, bah, j'aurais pas reveal. Et du coup, il y aurait eu un méchant dans la room. Et toi, tu aurais poussé. C'était pas mal. T'es marrant. Ouais, de toute façon, et si c'est dans les règles, c'est qu'à un moment. Vous avez mal interprété, vous êtes sûr? Parce que. Pour le coup, c'est de la faute du jeu, ils ont qu'à avoir des règles claires. Écoute, oui, parce que bon, si on. Passe les couilles. Hein. On est 5 à la lire, 5 à pas comprendre. Bon, on est peut-être 5 cons. Non, mais même, en plus, il y a plein de joueurs qui ont compris comme nous. Donc, on après, je l'ai pas lu, moi. Je pense que la règle, c'est ça, mais. C'est ceux qui sont dans la room qui doivent révéler. Bah, ça revient au même. Ça s'en range. Non, alors ça, c'est sûr que non. Il y a marqué ceux qui révèlent sont les gens hors de la room. Non, mais en vrai, ça revient au même. Vous auriez jamais dû. C'est très clair le truc, vous auriez jamais dû reveal. Il dit si le total des personnages sur la room 25 et des personnages morts, il y avait 0 personnages morts, du coup 3, est supérieur en nombre de personnages restants, on était 5. Mais non, mais justement, il y avait 3 mecs. Si le total des personnages sur la room 25 ouais. 3, il y en a 2 à l'extérieur. Non, non. Et super. Mais si. Si le total des personnages sur la room 25 et des personnages morts, mm-hmm. D'accord ouais, okay. Donc là, ça fait 3. Ça fait 3, parce qu'il n'y a personne qui est mort. Ouais, et supérieur au nombre de personnages restants, on est 5. Oui, donc. Mais non, mais de toute façon, c'est. Mais, bah fait, non, je sais lire en fait. Et oui, donc, mais, oui, mais je dis, je pense que c'est la traduction qui est mauvaise parce que de toute façon, les personnages restants, il y a forcément 5 joueurs. Tu vois ce que je veux dire ? Dans tous les cas. Ah non, je vois ce qu'il veut dire. Non, mais regarde, imagine genre, on est 3 vivants, 2 morts. Oui, donc ça fait 5. Oui. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tu peux pas sortir s'il n'y a pas un mort. Non. Imagine, il n'y a pas de mort. Oui, mais c'est le total des personnages sur la room 25 et des personnages morts, d'accord ? Donc vous êtes 2 sur le truc, il y a un mort. Donc ça fait 3. Et supérieur au nombre de personnages restants. Donc ça fait 4 restants. Tu ne peux pas s'il y a un mort. Donc là, il n'est pas supérieur, donc tu révèles pas. Mais il y a un moment où c'est possible, en fait. Mais en fait, s'il y a pas de mort, ça peut pas arriver. Oui, mais s'il n'y a pas de mort. Oui, mais ça veut dire qu'on peut pas sortir s'il y a. Si en gros, c'est-à-dire qu'on doit se tuer à un moment donné. Non, mais en gros, cette règle est faite pour s'il y a vraiment eu des morts et que les mecs veulent s'en sortir. Là, il y a reveal. Mais en gros, ça, c'est le reveal en cas de dernier. Fais voir deux secondes. Ça, c'est, je veux dire, je suis pas comprends comme ça, mais. C'est où? En fait, moi, je comprenais comme toi. Mais c'est les masques tombent. Mais je comprenais comme toi, mais en vrai, c'est pas vraiment. Ça me semble bizarre, tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. En vrai, je pense que c'est juste dans le sens où c'est très compliqué de reveal, quoi. Parce qu'après, il y a marqué ces derniers. Il y a marqué égal ou supérieur ? Non, c'est supérieur, strictement supérieur. Non, parce qu'en fait, j'ai raison, mais en vrai, je suis pas convaincu parce qu'en fait, il a pas lu la suite. Mais après, il y a marqué ces derniers, ceux vivant en dehors de la room, dévoilent leur rôle. Donc en fait, ils reparlent des personnages restants et ils disent ces derniers. Bah, c'est, ouais, bah, les derniers, je comprends derniers, la fin. Les personnages restants. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'en gros. Et t'as pas la notice en anglais qu'on y. En vrai, on s'en bat les couilles. Allez, ouais, regarde. Oh, non, repère, regarde la notice en anglais. Mais en gros, ce qui est bizarre, c'est que ça veut dire qu'en gros, les gentils ne doivent tuer personne. Mais si tu tues personne, tu peux pas dévoiler les rôles. Donc tu peux pas savoir avec qui tu sors. Il y a en portugais, si tu veux. C'est. Ah, personne n'a vu. Là, en anglais. Mais moi, j'ai vu. Derrière. Tout derrière. Sky. À Danny Point. Ah, mais Sky, il a donné. Ok. Putain. Ah, ouais, bah, tu vois, bah, typiquement en anglais, c'est bien ça, tu vois. If the number of the player. Donc, en gros, si le nombre de joueurs qui sont dans la room 25 ou les joueurs éliminés. Déjà, il n'y a même pas marqué. Ah, déjà, il y a marqué où, hein, déjà. Est supérieur au nombre de joueurs en dehors de la room 25, les joueurs non éliminés en dehors de la room 25 révèlent leur rôle. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ah, la règle en anglais n'a rien à voir avec la française. Parce que la française. Bah, le mec qui a traduit, tu peux te couper les burnes et te suicider. Ah ouais. Bah, en vrai, Sky, du coup, a raison. Mais moi, quand tu lis littéralement ce qui a marqué, je pense que j'ai raison. Non, mais en fait, je comprenais la même chose que toi, mais je me suis juste dit, si c'est comme ça, on ne peut pas gagner en fait. Les gentils ne peuvent pas gagner. Donc, c'est nul, tu vois ce que je veux dire, ça ne marche pas. Ouais, déjà, c'est genre la traduction. Le mec a pas traduit. Il a dit, bon, bah, c'est, on peut faire un peu ce que je veux. Quoi, je remixe les mots. Je prends les règles, vite fait, Xavier. Let's go, les gars. Donc, c'est ce qu'on a fait. En gros, j'avoue, c'est 10 fois plus clair en anglais. Mais c'est normal en même temps que ce soit comme ça. Mais c'est pas normal que la traduction soit aussi à chier. Mais c'est normal que je sois comme ça parce que sinon, on peut pas gagner en fait. C'est un jeu American ? Bah, non, mais j'imagine que oui. D'accord. Qui commence ? C'est moi cette fois-ci. C'est juste que c'était pas. En fait, c'est juste que si c'était comme ça, on aurait pas pu gagner en gentil. Avant de commencer, oui, c'était à chier. Avant de commencer, on peut regarder, il me semble, une carte. Ouais, mais au plus en plus. Ouais, c'est ça. Ok, c'est la room 25 là. Impossible là. Et je rigole. C'est super drôle en fait, merci. Mais de rien, franchement, voilà. L'animateur. Yes. Okay. Je vérifie juste un truc. Qui a fait le jeu ?
sais pas. C'est bon, j'ai... En tout cas, la règle en anglais est claire. J'ai programmé, à vous. T'as la boîte ? Quoi ? T'as la boîte du jeu ? Les gars, on programme, s'il vous plaît. Non, mais la boîte est vide. Programmé. Je m'en fous, je veux juste la boîte. Ah, pardon. Programmé. C'est toi. Merci. Oh putain, c'est vrai. Chiasse. T'as pas le choix au début, de toute façon. Ouais. On bat les couilles. Ah, donc là, on a un souci. C'est un français ? Le jeu est fait par un français. Ouais, donc vraiment. Alors, du coup, c'est peut-être la règle française qui est prioritaire. Ouais. Ah mais regarde la tête de la règle quoi, elle est archi pas claire alors que la règle anglaise elle est claire. Donc, ok, je dis juste que c'est peut-être la règle française. Je regarde. Mais la règle française elle veut rien dire, tu vois, c'est même pas du français clair, tu vois ce que je veux dire. Je regarde, coup, et je me lance. François Rouzet. T'es sûr on a un souci gros. Oui, safe. Il l'a peut-être créé en anglais. Regarde-moi. C'est peut-être un français qui l'a créé en anglais. Mais du coup il aurait fait la traduction lui-même. C'est gentil, je m'en sais. Tu verras, je rentrerai dedans, mais vraiment. Allez, Sky, jouons parce qu'il est 36. Ça, y a un mec qui a copié un truc qui a devenir une FAQ ou un truc comme ça. Ouais. Sky joue. Tu peux lire David en régie parce que le mec a copié Wild, machin. Rizzo, ok. Moi, c'est regarder. Bah, regarde. Et vous avez regardé quoi, les gars ? J'ai regardé là, safe. J'ai regardé là, c'est safe. T'as regardé où, Max ? Il y a un endroit où on n'a pas regardé là ? Là. Ici ? Ouais. Dans le chat. Mais en anglais, du coup, on s'en fout, c'est bon. S'en fout, oui. Non, mais il a rajouté peut-être un complément d'information qui est super important. Il a juste copié-collé. Voilà. Mais c'est quoi qu'il a dit, du coup, par rapport à ce qu'on a dit ? Je sais pas si t'as suivi. Ok, c'est bon pour moi. À vous. Non, mais on a déjà traduit, Rizzo. Zoulou. À moi. C'est bon, Rizzo. Je me déplace ici, parce que je suis le boss. Ok, moi, je me déplace ici. Mais les gars, faut peut-être retourner les... Non, la night vision. Putain, mais retourne... Il y a un mec qui m'a dit go Twitter et j'ai pas de DM, j'ai pas de notification. Les gars, on va passer 15 ans sur cette putain de règle en fait. Ouais. Un enfer. Je suis d'accord. Attends, à mon avis, 80% des commentaires, ça va être vous avez. Enfin, tu vois, les gens vont comprendre différemment et ouais. Ils vont débattre. Surtout les gens vont dire vous cassez les couilles à parler de ça une demi-heure. Ah, mais Osef, qui t'a battu et ils sont la game. Ah, mais moi je suis d'accord. On en a rien à cirer en fait. Non, Max, c'est deux actions. C'est moi qui ai commencé. Ah, c'est pas grave, t'es fatigué. Toi, on va éviter celle-là, mais on va l'éviter très cordialement, d'accord ? Okay. Allez, Gigi. Voilà. Pas de pousser dedans, de toute façon. Donc avec politesse, quoi. On va l'éviter, T'avais vu la roue ou pas ? Y aller, Clary ? Oui. Je peux le faire. Tu fais-le. C'est toi, Xavier, t'es vert ? Oui. Ah oui, c'est de la merde, cette salle. Oui. Et vous avez qui à regarder, là ? Max. C'était quoi, ça, Max ? C'était OK. Ok. Non, ok, perfect. Juste ok. Ah, ok. Ouais. Est-ce que t'es méchant? Non. Méchant. Tout à l'heure peut-être. Peut-être que tout à l'heure. Okay. Non, c'est ok. C'est Sky le méchant. Il parlait beaucoup plus quand il était gentil. Il était en mode. Ah, lui c'est méchant. Lui, j'avais même pas vu mon rôle. Il y a. Oui. Bah, me crois pas. Oui, Sky. T'avais regardé quoi, bro? Mais si c'est ok, en gros, je dis c'est ok, mais je pense que c'est méchant. Moi, vous deux, vous êtes méchant. Alors, je t'ai pas dit, vas-y. Hein. Pourquoi tu l'as regardé ? Désolé, mais. Vous jouez. Ok, mais j'avais regardé. Excuse-moi, je disais le chat comme un connard. C'est bon. C'est juste qu'il dit que c'est ok, mais genre, je regarde les salles ok, à part si c'est la Vortex, ça m'arrange, mais. Qui a commencé ce tour, les gars ? C'est moi. Ok. Non, mais au pire, va avec Zoulou, on s'en fout. Ouais, en fait, c'était juste pour révéler un truc, mais j'ai peur du ok, quoi. C'est à toi, Sky. C'est chiant, faut pas qu'on soit tous ça quoi. Ouais, bah, c'est chiant, sinon tu pourras pousser que un des deux dans ouais, la lame. Pourquoi en quoi c'est gênant, Sky? Ah, parce qu'on peut mourir en fait. Pourquoi? Parce que lui il va nous pousser. Temps, les gens vont se pousser en fait. À ton avis, je t'ai fait un dessin. Ou... Ouais, enfin, c'est un plus. Oh là. C'est un plus. Je te jure, mais il a pas été en plus. Il y a 4 cases, on est 5. Il y en a une qui est. C'est quoi là ici ? Moi un petit peu de Coca-Cola. C'est bien, c'est ok. Cette boisson incroyable. Ah. C'est ok, J. Tu confirmes ? Mais je n'ai aucune idée, sinon je serais allé dedans. C'est Max. Je t'ai pas dit, vas-y, je t'ai dit, c'est ok. C'est jaune quoi. Ok. C'est Matt. C'est fou. Le problème du jaune, c'est que vu qu'on est deuxième tour, si c'est la chambre froide, tu peux. Je suis en déplacement, j'ai pas le choix. Ah, tu vas checker ? Bah non. Non, par contre, ça c'est moi. Toi t'es le violet, vraiment. Voilà.
Voilà. Allez, plus son verso en fait. Plus jamais. Ok, à moi. Plus jamais ça. Prends Sonic si tu veux, il est le tiers, mais pas celui-là. Je déplace. Oh, une la Zoule. Droite ou gauche? Va pas là. Sinon, on peut mourir en fait. Oui, c'est une très mauvaise idée. Parce que vu la gueule qu'il a fait, à mon avis, ça doit être le Big Bang là où je clairement. À moi. Je déplace ça. Et je vais. Là. Non. Là. Ouais, plutôt. Bah, plutôt. Non, en vrai, je vais là. C'est mieux. Oh putain. T'es trop incroyable, Xavier. Ok, mais tu peux pas aller là-haut. Je peux aller où je veux en fait. Bah, hey, il peut aller où il veut en fait. C'est un peu notre Chuck Norris à nous, ok. Je vais me déplacer. En vrai, on a vraiment eu le meilleur setup tout à l'heure. Parce que Max a quand même déplacé la Room 25 au milieu de. Ouais, c'était incroyable. Ouais, Max, il peut se déplacer, vrai, mais il a au milieu, pas trop c'est une bonne nouvelle, mais oui, je suis d'accord. On a eu de la chatte qu'on est direct, tu vois. Elle est. J'ai pêché que j'ai failli pas pêcher. Je vais être dévo et elle est là en fait. Non, pas du tout. C'est le bon idée. C'est impossible. Je me détruis. C'est bien la seule zone où elle peut pas être, quoi. Contre, ah, c'est, tu vois, il a dit c'est ok, mais en vrai, il a vraiment pas envie d'y aller. Donc, c'est si, que... je peux, mais je me dis, est-ce que vous savez ce qu'il y a là? Non, ça peut pas être une. Ça peut pas être. Moi, j'aime bien aller découvrir en fait. Bah, vas-y, découvre. Et ça, pour qui c'est qui a mis là, ça là, c'est moi. Vous avez mis ça, c'est moi, parce que là, il y en a 4. Ah oui, c'est moi. Ah, c'est pour ça que t'as mis ça, d'accord. C'est là, elle y est pas quoi. Quelle intelligence de Jug. Vas-y, je vais aller là pour voir. Bah, vas-y, regarde. Une chance sur. Il a pas peur. Une chance sur 12 000. Pire, c'est un piège quoi. Attends, plus, je crois que j'ai regardé. Moi, j'ai regardé celle-là, je suis pas dans débile. Ultra ballsy. Enfin, c'est pas fini encore. Hein. Ouais, c'est pas fini. Tu dois encore déplacer une truc random. Là, faut que je dise. On va que celle-là. En fait, non, tu restes là où t'es. Là, attends, là, tu meurs pas. Oui, je sais. Ah, tu l'as vu? Non, mais moi, je veux voir un maximum de cases le plus vite possible. Non, mais c'est pas une bonne idée en fait. Tu peux mourir vraiment. Bah, je meurs, tant pis, vous sortirez sans moi. Qu'est-ce que je fais? Oh, il se sacrifie pour nous. C'est beau, Max. Ton sacrifice ne sera pas vain. Ah. It is not fit. Ah, ouais, donc là, le mec, il enchaîne quoi. Il enchaîne. Ouais, c'est pas tout à fait ça, mais oui. C'est l'idée. Comme ça. Oh mais Max, il va faire un combo là, il va gagner en deux tours. T'es. Là, et du coup, ça active son effet, on est d'accord. Là, par contre, tu viens de nous mettre trop bien, là, Max. Hein. Tu te déplaces avec la salle sur du coup, une. Il faut que j'aille voir un autre truc. Non, tu regardes rien, mais tu te déplaces à la, ouais, place. Ouais, tu regardes, tu scoutes pas, par contre. Ouais. En vrai, cette salle-là, moi, je trouve qu'elle est bien. Hein. Enfin, elle est potentiellement bien, quoi. En fait, c'est un peu random, mais si tu connais les 4, c'est pas mal. Après, le problème. Les 4, elles sont safe. Vas-y, je vais là. Bah, rapproche-en une. Ouais, c'est bien. Xav peut pas scouter. Non. Par contre, Xav, il est dans la merde de ouf en fait. Hein. Mais on s'en fout, les méchants. Je pense pas. Je sais pas. Il est coincé là. Il a regardé son rôle et il l'a fait. Non, parce que la game d'avant, il a pas cherché les méchants, tu vois. Il essaye, tu vois. Ouais. Il a coincé. Par contre, là, du coup, t'es pas bien, Max. Xav. Parce que. Après, bah. Ouais. Mais il va aller là, c'est tout. Je sais pas, il a fait le petit reniflement qui voulait dire. Ah non, yes, au pire, deux fois de suite. Au pire, si il dé. Au pire, ah ok. Au pire, il peut décaler la là, case. Sky de commencer, case, pire, faut programmer les gars. Programmation. Par contre, te déplace pas dedans une case, bro, parce que si tu déplaces sur une case où tu peux pas, tu dois sortir, tu meurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais le problème, c'est. Déplace-toi au deuxième tour plutôt qu'au premier. Le problème, c'est qu'on a aucune idée de ce qu'il y a à côté de nous. On pas trop le choix en fait. Bah là, on. Alors qui commence? C'est toi. Moi. C'est toi. J'ai obligé de faire ça. Hein. Est-ce qu'on sait? Moi, je sais celle-là. Moi, j'ai aucune idée. Si. Mais ça, on peut l'utiliser plein de fois. Mets-les bien dans l'ordre. Oui, Zoulou, mets-les dans l'ordre. Tout à l'heure. Alors, par contre, ouais, bon. C'est trop tard, mais. Quoi? On a merdé. Pourquoi? Le dernier rôle qui était là, ouais. Il était posé face visible. Mais non. Oui, mais on sait. Mais on le sait. C'est un gentil. Puisqu'on a dit qu'on mettait deux méchants. Ah, pardon. T'inquiète. Ah, donc il y a deux méchants. Oui, c'est pas qui. Oui, mais oui, au final. Non, mais ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais au final, je m'étais dit, est-ce qu'on le faisait ou pas? Parce que j'étais en mode peut-être qu'on le met pas. Ok. C'est lui qui dit. Ok, donc au final il y a deux méchants. Non, mais j'étais pas sûr si on l'avait annulé ou pas. T'es, il se brain tout seul dans votre chose. Il se brain. Ok, effect. Mon Zou, t'es méchant de toute façon. Effect. C'était trop bien la partie. C'est un argument que ça arrive au bout d'un moment. Soit tu te défends mal, soit t'accuses avec des preuves. T'es génial. Hier, Yu-Gi-Oh, la dernière de Yu-Gi-Oh, j'espère que vous regarderez la rediff parce que c'était vraiment. Oh, merci. La draft. Non, mais c'est vraiment bien. Ok. Heureusement que t'étais là. Qui ouais. Ah, j'ai gagné les. D'ailleurs. Dis rien. Ah oui. J'ai un petit. Je pense que tu seras content, mais un petit truc pour toi. Oh, il me tease le Max. Max, il est fatigué. Vas-y. Ouais, franchement. Alors attends, c'est qui à côté de moi là? C'est toi? Et on est tous ensemble avec Zou. Mais on va mourir, regarde, c'est super dangereux. Depuis le début de cette semaine, je suis désolé. Let's go. Regardez, programmez vos trucs et go. Ouais, c'est bon, tout est programmé. T'es programmé toi ou pas? Je suis pas programmé, pardon, je suis pas programmé. De toute façon, moi là, il n'y a pas 50 choix. Concrètement, je vais regarder et je vais bouger. Allez. Ok, c'est moi qui commence. Alors moi, je vais pousser un mec
Pas parce que je veux le tuer, mais parce que je veux pas qu'il me tue. Mais donc je vais le pousser là-dessus. Ça, mais si, comme ça il scoute, non? Je mais en fait, t'as juste à regarder. Ah, mais scoute, tu peux le tuer. Mais non, parce que regarde, imagine. Attends, quel bon joueur, bravo. Alors là, Sky, mais... franchement, j'applaudis des deux mains. Pourquoi? Parce qu'il peut nous. Mais alors, avant de dire que je suis méchant, laisse-moi finir. Mais tu peux nous pousser ici. Il a dit Florent. Et là, si tu pousses dans une case qu'on connaît pas, les gens vont dire. Ah, mais tu es un méchant, tu veux nous tuer. Tandis que si tu nous pousses ici, ça revient strictement au même. Sauf que, étant donné que tu pousses sur une case. Tu rigoles, tu viens d'acquiescer, c'est ce que je viens de dire. Donc si tu pousses sur un truc, une case qui est visible, ça va nous donner l'impression que t'es pas méchant parce que, oh, tu veux te défendre. Alors que, au final, ça revient strictement au même. Les mains devant, menottes. Ok, alors laisse-moi expliquer. Non, mais Sky est méchant, de toute façon. Écoute, laisse-moi expliquer. Bon. Bah, là, je te laisse. Excusez-moi, vous avez Zoulou, un flic dire là, les mains devant. Là, si j'avais. Zoulou, laisse-moi t'expliquer ma version. Vas-y. C'est que là, imagine, je regarde, et bah, si l'un d'entre vous est méchant, il me pousse, je sais ce qu'il y a là, je sais pas ce qu'il y a là, bah, je peux mourir, j'ai une tension. Mais qu'est-ce qu'il y a là, du coup? Mais c'est pas mortel, mais le mec, s'il est méchant, il va pas me pousser là-bas, hein. Il va clairement me pousser là, donc... Là, en gros, non. Ici et ici, tu peux mourir, donc je vais pousser. Bah, je c'est bien de voir... Voilà. C'est quoi, non, ici, tu peux mourir, tu peux aussi gagner. Hein, okay. Alors, ça tombe bien, Sky, parce que moi, j'ai déplacement et poussé, donc j'avais pré-shot ton col. Mais je sais bien... Mais moi, okay. Moi, je suis le seul gentil. Mais lui, il va bouger après. Checker et bouger, quoi. Donc là, je dois me déplacer. Tu dois te déplacer, ouais. Mais sauf que Sky, il va bouger après. Je vais activer ça. Ah, attends, tu te déplaces pas. Tu échanges les deux rooms. Oui, c'est ça. Ah, ah oui. Un petit poison là, ça fait plaisir. Non, c'est juste que ça va, ça va. Il faut pas qu'il y ait deux personnages dessus. Parce que sinon, le premier qui est entré meurt. Oh alors là il y a un méchant qui peut faire un strike. Sky a mis un là il y a quelqu'un qui peut faire un strike. Si Sky a mis un déplacement, c'est pas mal. Eh bien moi, tu pousses, je joue, je regarde. Oh bah là c'est vraiment sacré carte. Non, en vrai si j'ai rien méchant, il a gagné. Il tue deux mecs d'un coup. Ouais. Ah s'il me pousse. Non, il tue pas deux mecs, il y a que le premier qui meurt. Il y a que le premier qui meurt. Premier et peut-être, et il sait pas, ça se trouve, il peut tuer son allié. Mais non, mais tout ça. Ça peut être un méchant. Mais tuer personne, je regarde. Vous êtes con quoi. Tu m'as dit ça la dernière fois, tu m'as tué. C'est à toi, Xavier. Moi, je fais rien, moi. À toi. Oh, il gagne du temps, moi. Je peux rien faire, en fait. Je peux pas regarder dans cette room, j'ai pas envie de me déplacer. Ah, ouais, ok. C'est la même room que celle-là. Oui, mais nous, on sait pas. Moi, je sais ce que c'est. Moi, je sais. Moi, voilà. C'est tout. Ça je donne pas trop d'infos. Après, je sais pas si t'as le droit de dire ça, en vrai, t'as pas le droit. Ah ouais. Du coup. T'as le droit de dire à couleur. Eh ben, elle est ok. Elle est jaune. Et bah vas-y Gige. Là c'est la cold chamber quoi. Gige, tout dépend de toi. Ben en vrai moi j'ai envie de regarder cette putain de carte parce que je sais pas ce que c'est mais ça. Mais nos fakes, si on avait tous regardé et que Zoul il a fait quoi? Il a regardé. Ah ouais donc il est peut-être pas méchant. Oh il est peut-être. Mais non c'est Sky le méchant. Oh, mention spéciale à la régie qui a parfaitement suivi le cours Florent de Zoulou avec les petits changements de cam qu'elle est bien. De quoi? C'est quoi? Non c'est bien. Très belle carte. C'est une très belle salle. Laquelle? Une salle très, très belle. Vraiment, genre. Mais c'est vraiment bien décorée. Présentez vos poignets, c'est ça. Ce la salle est forte. Okay. Donne-moi tes poignets. T'es cul comme un. Hey, toi, Sky. Ils disent juste moi. Tu vas niquer ta mère en prison. Et moi, je regarde. Bah, tu peux la regarder si jamais tu fais pas confiance. Et tu verras que non, mais c'est un méchant, Sky. Très belle salle. Mais est-ce que tu crois que j'étais méchant si j'avais fait regarder? Mais en tout cas, t'as poussé. T'as poussé. Pourquoi pas? Tu veux nous. Tu veux nu 100% il est méchant. Les deux méchants ils sont en train de s'accuser entre eux en mode non, c'est un méchant. Regarde, attends, Zoulou était là. À mon avis, il s'est dit je vais regarder et au deuxième tour, je le pousse dedans. Et enfin, comme tu pousses un mec en fin de tour, il meurt. Alors quand tu pousses un mec au début de tour, le mec peut juste sortir de la zone. Mais toutes les trucs. I'm in the zone. Tu sais quoi, Skyard, franchement, c'est très gentil de me disculper. Parce que j'ai pas de poussée, j'ai un déplacé. Donc voilà, ton argumentaire tombe à l'eau. Oui. Et merci de me disculper, c'est très gentil. Allez. Mais justement, je dis que t'aurais pu. Mais il programme. Entre nous, il y a un mec qui pousse et un mec qui se fait pousser. T'as regardé quoi? T'as regardé qui? J'ai poussé sur une salle qui a aucune chance de tuer. Hey, Stradivarius, arrête-moi ton violon tout de suite là, parce que. Si j'avais été méchant, je t'aurais poussé au deuxième tour. Parce que si j'avais été méchant, tu m'aurais pas poussé. Alors pour les viewers qui vont pas comprendre, en fait, Maximus Melovis, papa l'américain. Pour les viewers qui n'ont pas les salles, en fait, il y a 6 salles qui tuent quand tu es poussé à la fin, mais pas au début. En gros, si je pousse un mec dans une salle au début, il peut pas mourir en fait. Donc si je pousse un mec et je veux le tuer, je le pousse à la fin. C'est à toi. Il y a 6 salles. Trop malin. C'est à qui là? Trop malin. Moi, je découvre les caves Qui sont empoisonnées. Hop là.
Comment il savait que c'était... Il a regardé avant. Ah, il a regardé, ok. Je suis omniscient, Skyheart. Ok. T'as regardé quoi, Max? J'ai regardé là, donc je peux aller là. Ah, les gars, on a fait qu'un seul tour. Non, c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième, là. C'est toi, moi j'ai commencé au premier tour, okay. Là, c'est toi et après c'est toi. Par contre, ça, on sait pas ce que c'est, hein. Je te le dis tout de suite. Hein. Ouais, mais bon. Faut bien que quelqu'un y aille, quoi. Ok. Moi, je suis un mec comme ça. Ah, c'est la sortie, les gars. Nice. Attends, qui avait mis le capteur, là? Ah non, c'était Sky. Okay. Non, c'est juste pour dire. Ouais, oh, il a fait check. Ouais, j'ai fait check. On a des énormes coups. Oh, une note. Tu commences à faire beaucoup, Sky. Quel américain. Ça fait beaucoup pour un freestyler de soir. Sky's méchant. Allez, j'ai rien. Oh, c'est à moi, j'ai mis des places. Bien sûr, j'ai regardé ici. J'avais dit que c'est une salle qui était très très bien puisqu'elle est superbement décorée. Donc, voilà. C'est quoi? Bien, la vision. La vision. Par contre, on enlève ses jetons. Bah, du coup. Tu peux spec ça? Mais on sait tout ce que c'est un Big Bang. Oui. Ah ouais? Oui. Okay. Non, regarde ça, s'il te plaît. Parce que moi, je vais pousser et après pour voir si je peux y aller. Non, celle-là. Celle-là? Pour voir si je peux y aller un moment. Ah, chier. Non, mais normal quoi. Oui, normal. Ok. Non, mais c'est juste safe quoi. Donc, en effet. Ok. Il faut reprogrammer. Et alors, on décale à 5 du coup. Et c'est à Sky. La bonne. Tac. Non, c'est pas moi qui commençais. C'est à Azul, je crois. C'est Azul maintenant. C'est quoi ça, Max? J'ai envie de vous dire que je vais attendre ici, moi. Je vais scouter autour. Max, non, bouge. De toute façon. Tu veux que je bouge vers toi? Bah ouais. Pourquoi? Bah pour on est proche de la sortie. Genre, limite, je pourrais sortir tout seul en faisant ça. Non, ça marche pas. Ok. En fait, le temps que tout le monde me rejoigne, tu vas me rejoindre aussi vite qu'eux, donc vaut mieux pas que je bouge. Si je bouge, je m'éloigne d'eux. Sauf si t'es méchant. Enfin, en vrai, je m'en fous, mais... C'est juste que si on bouge tous les deux, tu vois, on se... Bah, nous, oui, mais les autres, non. Ah, en vrai, les autres, il y a du méchant aussi. C'est ouais, ce que mais Gige, c'est quelle couleur, Gige? Moi, je suis bleu, moi. Tu fais chier, Gige. Bah si, bah, hé. Hey. Ici. Mais c'est avec une salle cachée. Ah oui, mon. Attends. Je vais observer oui, pour toi, mon ami. Il n'y a pas de soucis. C'est non, qui en premier là? Là, c'est à Zulu maintenant de commencer. Bah, c'est bon. Okay. Bah, c'est nickel. Par contre, il faut programmer. Allez, Zulu. Bon, je suis sur un truc safe. Moi, je prends des risques. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais confiance. Ouais, c'est le premier tour, ça. Ouf. Ah. Il fait froid là-dedans. C'est... Bah, ouais, mais tu seras forcément dedans. Tu pourras faire qu'une action après. Ouais, t'auras qu'une action après. Ça va. À moi, je regarde ça. Ah mais ils ont des pouvoirs les persos aussi, non? Ok. Pas là. Mais... Ah mais en fait on peut mettre nos actions dans ici. Une extension, il y a... Oui, c'est pour ça que je l'ai mis là. Ah ok, de l'autre côté. Oui mais c'est pareil. À toi. Hein. À moi? Ouais. Il y a deux traîtres et trois gentils. Je vais aller... vers... Tu l'es loin de nous quand même là. Lui. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Ok. À toi, Gige. Il faut qu'on soit trois pour que les autres révèlent leur rôle. Moi, je vais me déplacer. Toi, suivi, ah oui, Max. Du coup, j'ai pas regardé. Je suis un fils de pute. Et ouais, bah, je t'ai fait confiance, ouais. Donc, mis dans le même. Oh donc là, je commence à croire oh que. En fait, j'ai voulu bouger parce que je voulais pas que Zulu prenne ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça urge. De quoi? Ah oui, j'avoue. Quoi? Ah, tant pis, on va exemple. Mec, t'es sérieux? Mec, non, mais celle-là, t'as dit qu'elle t'est safe. Ah oui, mais attends. Voilà, t'as dit qu'elle t'est safe, qu'il y avait aucun risque. J'étais obligé. Non, celle-là. Celle-là, il y a aucun risque. Alors là, arrêtez. J'étais obligé de me déplacer. Celle-là, il y a aucun risque. En fait, je me déplace pas, t'es sûr? Celle-là, il y a aucun risque. Je te fais confiance. Mais c'est toi qui l'as regardé. T'as dit à Xai qu'elle avait aucun risque et je t'ai déplacé ici. Oui, exact. Oui, c'est ça. En gros, mais moi je bouge pas du coup, c'est ça. Ouais, mais du coup c'est moi. Ah merde, ouais. Oh, il a oublié. Il joue bien. En vrai, si, c'est bien quand même. Oui, mais en fait, je pense qu'il a confondu avec ça. Oui, j'ai complètement confondu. Alors, c'est dans tous les cas. C'est pas grave, c'est pas grave. Je crois qu'on a tué de confondu parce que je t'ai dit. Elle est à toi. À toi, c'est parce que même moi, je t'ai suivi en mode oui, c'est bien ça, on va se déplacer. J'étais complètement obligé de bouger parce que j'étais là, Gigi, il était là. S'il avançait, il me jouait. Oui, Sky le méchant, vas-y. Donc, Sky et Max les méchants. Poignée devant et haut les mains quoi. Hein et... Ah oui, ouais, c'est ce que j'ai fait en deuxième temps. Oh, comment Sky pourrait nous deny là? En vrai, moi je peux venir là.
Ah pardon, prochain tour. Alors qu'il a dévoté tellement vite dans ce jeu, quoi. C'est pas ce que j'ai fait, c'était en fait à la base je voulais faire ça pour la game d'avant aussi, quoi. Changer et me rapprocher, c'était un truc. Ah non mais la game d'avant personne t'a accusé par contre. Le chat oui. Non mais le chat, gros, le chat ils accusent tout le monde. Par contre Sky, je vais pas te mentir, dans 5 minutes on a une OP donc. Faut y aller. J'avoue, putain on a une OP aujourd'hui. Eh bien vu. Allez, comme on dit toutes les semaines, on joue en blitz. On joue en blitz. Allez, c'est parti. 3. Parce qu'il réfléchit trop. 1, c'est terminé. Ton tour est fini. Pas trop. Tour est fini, ouais. Tu peux plus jouer. Ok, à moi. Ouais. Je bouge. Pardon, dans l'autre sens. Bah. Ok. Donc toi, t'as plus qu'un déplacement là. Enfin, tu pourras faire une action au prochain tour. Ouais. Ok, je bouge. Allez, allez, Ajax à Est. Ouf. Ah. Ouais, ah, cool. Ça, c'est pas cool ça. C'est la fin du prochain tour. Oui, heureusement que t'as pas fait. Eh bien vu l'aveugle. Il y en a une que j'ai regardée qui est mortelle. Ah, que t'as regardé, d'accord. Ok. Tout le monde a fait ses deux actions. Non, il reste encore Max. Allez Max. Max et moi. Je suis où? Je suis là. Bah, bah, yes, regardez. Je peux pas regarder ça. Bah, non. Non. C'est adjacent. Bah, non. Je le monte. Mais c'est pas. J'avoue que sa question est pas stupide. Sky, bien sûr. Bien sûr. Donc tu te déplaces. Je me déplace ici. Rip, my friend. Non, mais ça va. Ça va, c'est okay. Bon. Tu pourras bouger au prochain tour. Allez, okay, go. Let's go. Il faut Zulu. Reprogrammer. Et c'est à Zulu de commencer. Putain. Est-ce qu'on est obligé de faire l'effet d'une salle? Oui, on est obligé. Sinon, on suit Gigi et comme ça, on peut se barrer. Oh, bah cool. Bah non, parce qu'on sait pas si... On a fini le timer. Oui, en plus, il faut attendre 10 tours et on n'a pas le temps. Il y a un mec qui meurt. Ah ouais? Puis en plus, on ne sait pas si Zulu est méchant ou pas. En fait, là, le problème, Gige, c'est que nous, on va pouvoir fuir, mais toi, je ne sais pas comment on te récupère. En fait. Le problème, c'est que si je vais là, je suis obligé de bouger. Ouais. Ah! Ok, go, les gars! Mais non. Vas-y, hein, c'est à toi, Zulu. Si tu peux aller là, échanger avec ça. Je me déplace. Mais je meurs. Ah, je peux faire qu'une action, non pardon. Non. Bah, je ah, tu échanges les. Ah ouais! Ok, bah moi aussi, je me déplace, je vais là. C'est mieux que rien, tu vois. C'est pas fou, mais. Ouais. Au moins, t'es proche, quoi. Bon, bah voilà. Mais non, parce que. Oh putain, j'ai pas programmé. Je suis juste putain, excusez-moi. Je regarde pas le plateau pour programmer. Vas-y. Merde. Pardon. Je change parce que. Non, mais... Ok, voilà. Apparemment, toi, t'as pas qu'un déplacement. Hein. Si, bah si, justement. En fait, ça, j'avais mis un truc, mais si je sors pas de la zone, je suis full stock à vie. Donc. Donc, j'ai pas. En fait, t'es obligé de te déplacer. Oui, à la salle, à la phase de programmation, ouais, exact. Je vais bouger dans ce sens-là. Bien joué, ça. Ok. Bah, si je bouge dans l'autre sens, je baise Gigi et j'ai pas le droit de bouger en horizontal. C'est à moi ? Oui. Oui. Ah oui, putain, je me disais, ça m'avait perturbé. Oui, mais moi, putain. Du coup, je vais là. Mais du coup, il baise you quand même, hein, dans tous les cas. J'avoue que si j'étais méchant, je m'y prendrais pas d'une autre manière. De quoi ? C'est assez terrible. Ouais, mais. Mais c'est pas obligé d'être une case invisible ? Si, c'est le problème. Ah. Une salle cachée. Bah là, de toute façon, si t'es méchant, t'es pire. Non mais. Après, Sky est méchant. Sky, à toi. Sky est. Il est sûrement méchant et toi aussi. T'as fait quoi, déplacement Max. Toi, t'es sus. Non. Ouais, j'ai pas trop le choix. Toi, t'es sus. Ok, Zul. Zul, il peut pas jouer, à toi. Derrière. Attends, j'avoue, t'as baisé. Vers le haut. Vers le haut. Ouais, après, je suis ça vers le haut. Bah, rapproche-toi de Gige. Bah, en vrai, c'est chiant, quoi. Bah, il va faire ça. Oui, mais. Sinon, vers le bas pour pas que lui puisse. À gauche rejoindre. Pourquoi tu veux pas que je vous rejoigne? Parce que t'es méchant. Bah, techniquement, c'est alors, pas possible. Ça, c'est... Alors, je précise quand même. Voilà. Je précise quand même. C'est parce que je souris, c'est-à-dire que je suis méchant. Ouais. Bah, gros, il va falloir réviser tes. T'es méchant tous les jours, mec. Mais... Pourquoi tu fais ça? Alors tu aurais pu rapprocher tout le monde de la salle, Xari. Justement, il y a deux méchants, c'est toi et Sky. Mais oui, mais on maîtrise les. En fait, on maîtrise les cases à côté, elles sont pas mortelles. À toi, Max. Ouais. Bah si, s'il le poussait par là, on maîtrisait toutes les cases, elles sont pas mortelles. Ah, c'était pas. Au bout d'un moment. Ah. Au bout d'un moment, le méchant, il peut rien faire. Après, ça va, tu peux pousser là. Tu peux pousser là. Non, mais Max, c'est sûrement méchant, hein, les gars. Non, je te jure. Bah alors, à quoi ça sert de pousser? Parce que je croyais que lui, il allait venir sur notre case et mais je voulais pousser là-dessus. Il pouvait pas venir. Mais il pouvait pas. Il pouvait pas. Il peut pas se déplacer. Il peut pas se déplacer deux fois dans un tour. Oh merde, j'ai oublié. Il va venir. On est au premier truc là. Non, deuxième. Vas-y, Max. J'ai juste été naze en fait.
Bah du coup, je vais te poser là, c'est le moins chiant. Bah oui. Oui. Voilà. Mais bon, c'est chiant quoi. Bah désolé. Je fais de la merde. Non, je cherchais pas, je suis juste con. Non, pas de... non, t'es pas juste con, Max. Tu es méchant. Il fait genre, mais... Max, tu es méchant. Non, je suis juste con. Je te promets, j'ai juste trop mal joué. Du coup, dans ma tête, Zulu allait venir sur notre case et j'allais le pousser. Mais c'est impossible. Et Max, mais pas mais je croyais que j'ai pas regardé ces trucs. Chef, mec, un truc de ouf. J'ai pas regardé ces trucs. Vous me croyez plus intelligent que je ne suis. Ah, je suis juste con. Tu vois, ça marche qu'avec moi, ça. Et c'est ça, mon avantage. Là, tu vas faire quoi, là, Max? Ça me va, si vous me croyez intelligent. Là, tu vas faire quoi, là, Max, c'est quoi? Bah, j'en ai aucune idée. Bah, là, ils vont tous venir sur la case, donc... Ah, c'est le but. Mais non. Dès qu'on va venir, ils vont nous pousser tous. Là, personne peut venir sur la case, à part Jiria. À part Jiria? Faut pas que tu bouges. Jiria, je te pousse pas. Moi, j'ai pas envie de bouger. Non, si toi pousses en premier, quand vu qu'il y a personne. Oui, donc en fait, tu peux pousser s'il y a personne, donc ça sert à rien. Pousse et après, regarde et fais rien, quoi. Juste ne fais rien. Bah, je peux pas décaler le truc. Non, parce que si tu mets, parce que là on peut pas sortir. Pro tip, si tu mets une seule action, tu peux choisir quand tu l'as fait. Oui, mais si tu décales, moi je peux plus rentrer. Tu mets qu'une seule action. Décale-le au prochain tour. Mais là, Et regarde, vous voyez les deux méchants. Moi je peux rentrer parce que là il est temps de dévoiler Skyheart. Tu peux dévoiler. Faites vos actions là, putain les gars. Tu mets qu'une seule action, tu peux choisir quand tu l'as fait. En première ou deuxième. Et voilà, il est en train d'aider son coéquipier qui est méchant, il le sait. Mais Sky, tu me prends pour un agneau de 3 semaines. Au bout d'un moment, ça va. Et Sky, on t'a grillé. Donc, mon gars, c'est 15h01, je prends le gars relou, mais j'avoue, on a. Ok, bah vas-y. Vas-y, on la joue en blitz. Allez, go, je fais. Vas-y, c'est toi qui commence. Vas-y, bah je pousse. Il n'y a personne. Ouais. Ok, donc moi je viens avec toi. Sinon, là en fait je vais pouvoir me déplacer. D'accord. Moi je décale. Et comme ça on est trois et on dévoue et au moins ce sera fini. Moi je décale, tac. Oui, normal. Ouais, forcément. Il est méchant. Du coup j'aurais dû me déplacer. À toi Zulu. Bah non, ça change. Là, je te rejoins. Oui, mais non, parce attends, que. Attends, mais moi plus d'action, t'avais fait quoi? Je décale. Ouais, tu as décalé. Non, j'aurais pu être déplacé en deuxième. Peut-être, je sais pas. Ouais, j'aurais dû mettre des places. Du coup, je bouge. Donc là, du coup, ils dévolent les deux là. Ouais, Sky et. Méchant. Ok. Ah, mais Max. Mais Max, gros. Oui. Oh, la surprise. Oh, monsieur, il s'est joué la surprise depuis qu'il a fait des coups de 4 en CM2. Quel bâtard. À toi, Max. Ah merde, comment on fait pour buter Jiria? À toi, Max, il faut jouer maintenant. Bah là, on a perdu. Ah, bah là, on a perdu. Comment on fait? Eh bien, welcome. C'est à toi de jouer là. Comment on fait? Bah, pour tu gagner. Ta carte et en fait tu nous montres que. Non, mais attends, pourquoi? Ah oui, oui. Moi, non, mais du coup je fais rien. Là vous devez pas aller. Du coup, là c'est à moi. Comme. Bah oui, non. Ah bah là on est là. Well played, man! Ah, il nous a fait. Let's go, dude! Jiraya! Ça m'a fait mal au cœur, quoi! On s'est fait confiance pendant tellement d'années! Bien joué, ça! Mec, je lui ai fait confiance aveuglément. Il m'a dit, t'inquiète, et j'ai fait. Bon. En plus, le pire, c'est que personne ne sait là, mais dès le début, quand j'ai distribué les cartes, sa carte s'est retournée. Et du coup, j'ai fait, bah, je redistribue. Il fait, non, je veux pas être méchant. Et je dis, bah, je vais le savoir. Du coup, il m'a dit, non, mais c'est bon. Du coup, je savais que lui était gentil. Tu vois, je partais avec cet avantage-là. Et quand tu m'as dit, t'es gentil, j'ai fait, oui, lui, 100%, il est gentil. Je suis gentil, je fais les deux, là, insupportable. Et puis, comme Zulu. Ah, c'est Zulu. Bah, Zulu, il s'est autant enculé, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais Max, c'est pas débile. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est juste, c'est de la blague. Attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. T'es spot tour 2, gros. Je peux pas être. On a pas le temps, on a vraiment pas le temps. On doit partir sur une OP. On peut pas finir là-dessus, mais enfin, on finit là-dessus sur ce move. En vrai, vous avez gagné. C'est un peu. Je pense que ça aurait été complexe. En vrai, plus en dernier tour, non? En vrai, c'est. Non, on a vraiment pas le temps. En vrai, c'est impossible. Mais quoi, tour 2 IQ? J'ai spot tour 2. Je les spot tour 2, j'avais raison, qui peut conteste ça? Non, mais après tout le monde savait que Sky était méchant tour 2. Oui, parce que tour 1 même. J'ai énoncé les arguments. Quand Sky cherche pas les méchants, il est méchant. On savait tous que Sky était méchant. Non, mais il y a pas de. Ça, ma décharge, quand tu m'as dit que t'étais méchant, j'avais même pas regardé mon rôle. En fait, je regardais le chat pour voir les règles et tout, et j'étais même pas. J'avais même pas vu mon rôle. C'était Room 25, les amis. Vous pouvez, on a déjà joué au jeu, donc voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment, passé de bonnes fêtes. Le jeu est cool. Nous, oui, le jeu est très très bien. Et puis, je sais pas si on pourra faire. Mais je pense que c'est mieux à 6. À plusieurs. Ouais, on a toujours fait à 5. Je pense qu'à nombre pair, ce serait plutôt. À 6, ce serait encore plus le bordel, quoi. Donc, on se laisse ici. Nous, on doit partir sur les zinzin tout de suite. Merci à tous d'avoir suivi. Surtout à quelques instants. Salut, ciao, bonsoir. Au revoir.